Parier, c'est des émotions, de l'intensité. Après, si l'arbitre style des pénaux qui n'existe pas, j'y peux rien, moi. C'est avoir toujours raison. Parier, ça se fait aussi en équipe. J'ai jamais parié contre ton équipe, t'es fou ou quoi? C'est des débats sans fin. Ah si, ça t'es content en tous les cas. Et c'est une raison de plus de regarder un match du Paris Saint-Germain. Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner? Paris en sport en ligne, partenaire premium et numéro 1 sur les codes du Paris Saint-Germain. Olá, olha para isto. E dá uma olhada a isto. Allez, détendez-vous. Let's fly. Enter the cubes. Let's go. Du Parc des Princes sur les réseaux dans le stade pour cet avant-match de Paris face à Montpellier. Salut David. Salut on match day 11 from the Parc des Princes in the league. It's Friday night football under the lights. Tonight the team four wins on the bounce. Paris Saint-Germain welcome Montpellier to the Parc des Princes. 11e journée de championnat, nous restons sur 4 victoires consécutives en Ligue des Champions, en Ligue 1. On a envie de continuer comme ça. La dernière fois que nous avons été ici, il y avait une ambiance magnifique. Alors on va évidemment compter ce soir sur notre speaker traditionnel, Michel, pour faire monter un petit peu la température. Hein. On va essayer. Ne serait-ce que parce qu'il commence à faire frais. Mais c'est vrai que l'ambiance face au Milan AC était géniale. Donc on appellera peut-être chaque tribune tout à l'heure à reproduire le même spectacle. On verra ça tout à l'heure. Bonne soirée. Bonsoir, Michel. First kind of cold night of the autumn tonight. Let's take a look at what we can offer you on the kickoff before the match. We'll give you the summary here. First, we'll take a focus and look back on the recent results. And we have a very special guest today, Zoumana Papouskamara, will be joining us. And then after that, it's time to focus on tonight's match, the history of the match, the stats. And as soon as we have it, we'll give you the starting 11. Et oui, nous allons recevoir notre Papus Camara qu'on connaît bien ici au Paris Saint-Germain en tant qu'ancien joueur et surtout en tant que coach de notre section U19. Vous vous en doutez, on va forcément faire un détour par la case Warren Zaïre-Emery. Et puis on vous dira tout ce qu'il faut savoir sur la confrontation entre Paris et Montpellier. Alors surtout, prenez bien vos téléphones si vous avez envie de poser vos questions à Papus. C'est le moment de prendre ce QR code en photo, David. Yeah, make sure you get your questions into Papus Camara. As we said, he'll be joining us here on the kickoff set in just a few minutes. Of course, we have some great questions for him. What type of principles is he instilling in the young guys? What was his relationship like with Warren Zaïre-Emery? Is he surprised? Whatever question you guys have, make sure you scan the QR code and send them in.
On attend vos questions pour Papus qui nous rejoindra, mais avant ça, on va d'abord se plonger dans l'actu du club. Bon David, on l'a dit, la dernière fois que nous étions ici, quel match face à Milan ! Quel régal nous ont offert nos Rouges et Bleus. Great match versus Milan the last time here at the Parc des Princes. I was behind the goal watching the match and just before the match, it was a great tifo, so it was a great atmosphere and a huge performance from the team. We have the highlights from that match that we need to watch together. Allez, on regarde ça. D'abord, c'est vrai David, ça a magnifiquement commencé avec ce superbe tifo. Vous voyez PSG, mais nous on a une pensée pour Bebel et les ultras du collectif Ultra Paris qui ont fait un boulot immense. Tout comme nos Parisiens sur le terrain. Les premières étincelles, elles sont arrivées forcément du pied de Kylian Mbappé et de notre Titi, Warren. Warren Zaire, I mean, loving to progress the ball, breaks out of midfield. And this is the Kylian Mbappé trademark goal. He loves this goal. 36 goals in the Champions League now. Great goal for Mbappé. Et ouais, forcément, Kylian, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La spéciale, la feinte. Pour tromper celui que nous avons formé, Mike Maignan, finalement, c'était pour l'ouverture du score. Et ensuite, eh bien, c'est un certain Colomwani qui a permis de la mettre au fond. Randal Colomwani getting the second goal of the evening. And after the goal, there was a huge team celebration. The whole entire team knew how important this goal was. Luis Enrique even saying how happy he was for the team and how happy he was for the fans to get to enjoy this win. Et un homme que nous avons retrouvé après son titre avec la sélection sud-coréenne, c'est un certain Kang In-Lee qui s'est illustré d'ailleurs lors de ses derniers matchs. Et c'est lui aussi qui a enfoncé le couteau dans la plaie, David. Yeah, Kang In-Lee was the player that got the last goal of the evening, which finished 3-0. A lot of highlights from this match. Kylian going close again, of course, with his teammate there. And this is... Oh. It's not the third goal just yet. This is off the post from Kylian. Hakimi, Vitinha, Kylian, la connexion était bien là. Yeah, of course. As Enrique says, his team is starting to understand each other better and Warren. Better every match. Encore une passe de Warren Zaïre-Emery qui en a mis deux dans ce match. Cette fois, c'était donc pour Kang In-Lee. Et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Yeah, of course. So finishing that match 3-0 and on top of Group F. In just a moment, we'll have the standings up on the screen. Paris Saint-Germain finishing that match. And that was enough to take the team to the top of Group F. Of course, match day 4 just on the horizon, heading to Milan next week for match day 4. Et oui, vous le voyez, le Paris Saint-Germain qui a donc pris une belle option au terme de cette phase aller. 6 points, synonyme de première place du groupe F avant le déplacement, évidemment, qu'on va attendre. Vous le voyez, dès la semaine prochaine, nous serons avec David du côté de Milan pour vous faire vivre cet avant-match. Et puis ensuite, eh bien, Newcastle et le Borussia Dortmund, David. Yeah, historic stadium, the San Siro Stadium. That's the next match. After that, it's at home, looking to get a bit of revenge on Newcastle. Now, Newcastle lost to Dortmund on vous at attend, home last les match, which is, what did you say? On les attend, les McPies. Exactly. Chez nous maintenant. We're waiting for them to come here to the Parc des Princes. Then we finish the group stage in Dortmund, December 13th. That's the last match. That's match day 6 in the Champions League group stage. Bon, et après Milan, on a voulu continuer sur notre belle lancée. Il y a eu Strasbourg, il y a eu Milan et il y a eu Brest. Ils s'en sont passés des choses à Brest. L'orage qui est tombé sur les Parisiens, ce match à 13h, cette équipe qui n'avait jamais perdu chez elle, David. Mais encore une fois, au bout du bout, nos Parisiens ont fait le job et nos caméras étaient là, David. Yeah, our cameras were there for a big win away from home against Brest in the league. Let's watch together.
team started off with a 2-0 lead there, as you can see, Warren Zaire-Emery getting that goal, and then Kylian Mbappe with a double, two goals to finish that match. Now, Brest did claw their way back into the match, but of course, Paris Saint-Germain coming back to Paris with all 3 points. Bah, notre intérêt, c'est que pendant que nous gagnons à Brest, Monaco est tombé face à Lille, ce qui nous a permis de retrouver notre place de dauphin du championnat à un petit point de l'OGC Nice. Vous le voyez, notre adversaire du soir, Montpellier, qui est actuellement la 11e place. David, ce soir, nous pouvons être évidemment leader provisoire avant eh bien, que se déroule cette 11e journée de Ligue 1 pour toutes les équipes. Yeah, being the first match of the weekend, the chance to go top, just 1 point behind Nice, who played Rennes at home on Sunday. Now, Montpellier come into this match in 11th place, as you can see there, but they have a game in hand. Monaco in third place, they play Brest on Sunday, and Lille with 18 points, as you can see, and they play Marseille away on Sunday. Nice-Rennes, Monaco-Brest, OM-Lille, autant de matchs que nous allons surveiller de très très près ce week-end pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, il y a un joueur qui a scoré depuis la rentrée, vous l'aviez vu en bleu, il avait déjà marqué avec Didier Deschamps, avec la sélection tricolore. Depuis qu'il est revenu, il plante à tous les matchs. Évidemment, Strasbourg, évidemment, Milan, évidemment, Brest, je parle de Kylian Mbappe, who else? The league top goal scorer, the club top goal scorer, the top goal scorer in the Champions League for the club. So Kylian Mbappe, 10 goals thus far this season. But second place there, Aqua Adams. He's a player for Montpellier. So two danger men that we have to have a look at. And we'll be speaking more in depth about these players later on in the evening. But as you can see, Kylian at the moment, top goal scorer in the league. Et oui, pour ceux qui en doutaient, Kylian Mbappé est revenu plus fort que jamais, actuel leader du classement des buteurs du championnat, avec 10 unités juste derrière lui, Adams, le buteur de Montpellier, vous le voyez cette saison, 12 matchs décisifs à 13 reprises, toutes les 74 minutes. Kylian Mbappé qui a déjà été élu 5 fois meilleur buteur du championnat, si vous en doutiez, il est bien dans ses standards. Yeah, he loves that. He's chasing the league on top goal scorer again. And thus far in this season, he's played 12 matches, 12 goals already, 1 assist. He's been involved in a goal every 74 minutes. And tonight, again, it's one of his favorite opponents in the league, Montpellier. So we expect to see Kylian in form again. On en profite pour le féliciter, notre Kiki National, parce qu'il a terminé 3e sur le podium du Ballon d'Or. C'est finalement son meilleur résultat. À noter que les 6 dernières années, il a toujours été dans le top 10. C'est vous donner un ordre d'idée de ce joueur. Yeah, France football, the Ballon d'Or this past week, and Kylian Mbappé finished 3rd in that. Erling Haaland and Leo Messi finished ahead of him. Kylian was there, he's on the podium again. I'm sure next year his aim is to finish first and win that Ballon d'Or for the first time. Oh David, quelque chose me dit que son maillot doit être prêt dans le vestiaire. Je propose qu'on aille faire un tour. Nos caméras, comme d'habitude, aiment bien se faufiler dans les coulisses, vous le voyez. Le fanion du match est évidemment que le maillot de Kylian, plus que jamais, est prêt pour cette rencontre. Yeah, this is tradition here on the kickoff. We take a look at the changing room, the dressing room ahead of the match. We have Michel Saad there. He is on our social media team, back in blue tonight for the team. This team has won four wins in a row in all competition. Also 4 wins in a row at the Parc des Princes. So just looking to continue that. Hakimi, Mbappé, la connexion est prête. Les joueurs viennent d'arriver au stade. On vous laisse profiter de ce moment. Mbappé qui ferme la marche comme d'habitude, il a l'air concentré. David, ça tombe bien. Est-ce que tu sais que Montpellier est son adversaire préféré? Il n'a pas été décisif contre n'importe quelle équipe de Ligue 1. Yeah, he loves to play Montpellier. Ouais. He scored 10 times against them. We'll focus on that stat a bit later, but you can see the players coming into the stadium, of course, in good moods, good smiles, but
definitely focused on this match and getting the 3 points. Now, a bit later on, as we said, we'll be joined by Zoumana Papus Camara. Dans une minute. Yeah, in a Promis. Few minutes here. So make sure you guys can scan the QR codes at home. We'll pop it up on the screen there. If you're in the stadium, scan the QR code. Make sure you get your question in and we'll ask him when he's on set with us. Si vous êtes sur les réseaux, sur le Twitter du Paris Saint-Germain, vous avez un lien. Si vous êtes dans le stade, vous pouvez sortir les téléphones, scanner ce QR code. Il vous permettra de poser une question. En effet, c'est là. De poser une question à Papus Camara qui va nous rejoindre dans quelques instants, juste après une toute petite pause. Avec iSense, la technologie emmène vos passions toujours plus loin. Plus loin dans les saveurs. Plus loin dans le bien-être. Plus loin dans l'expérience. Du Paris Saint-Germain. Bonjour, un Coca-Cola s'il vous plaît. Avec ou sans sucre? Peu importe, j'adore son goût. Avant le clap du grand final NBA. Place au clap de lancement d'une grande saison 2023-2024. Avec toujours deux matchs en direct tous les soirs. C'est bon, clap, Xav. Et votre magazine référence quotidien. Ce qui s'est passé évidemment sur les antennes de Bein Sport. Nous sommes de retour ici au Parc des Princes dans Kick-Off à 1h09 du coup d'envoi. David, nous avons été rejoints par un invité. Yeah, 1 hour and 9 minutes to kick-off match day 11 here at the Parc des Princes. Of course, Paris Saint-Germain welcoming Montpellier. But it's time for our special guest. Papus Camara nous a rejoint, évidemment, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Coach de nos U19, le CV est long comme le bras, le palmarès aussi. Salut Papus, comment est-ce que tu vas? Bonsoir, tout va bien. Super, super content de t'avoir ici avec nous. Ben, c'est un plaisir de revenir au parc.
a pleasure here to have Papus Kamara with us. Of course, he was a player here, a central defender when he was in his playing days, turned coach, coach of the U19 team. We have a lot to talk about tonight, especially Wanzai Emery. Et oui, évidemment, on va te poser beaucoup de questions. Mais d'abord, on va évidemment se refaire un petit peu des images de tes souvenirs, notamment sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et une question me vient quand je regarde les images de toi. Est-ce que tu avais conscience, est-ce que tu étais fier à l'époque de porter ce maillot? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Le maillot parisien, il représente beaucoup parce que je suis issu de la banlieue. Je suis né à Colombes dans le 92. J'ai encore ma famille qui est là. Donc... Je suis quand même parisien de base, banlieusard, donc ça représente quelque chose de particulier et porter ce maillot, ouais, c'était quelque chose de fort et ça représentait beaucoup. It means a lot to him. It represents a lot to wear the jersey of Paris Saint-Germain, born just in the suburbs of Paris in Colombes. So he says it meant a lot for him to wear this kit. And as you could see on the screen there, some of his goals from his playing days here at the club. Et oui, et du coup, c'est un message que tu passes à tes jeunes joueurs, la fierté comme ça de représenter le Paris Saint-Germain? Ben, la plupart de nos jeunes joueurs, à 90%, ils sont issus de la région parisienne. Donc forcément, ils ont cette fibre et ils ont cet amour pour le PSG. That's right. So Papus Kamara, he was here for 8 seasons, of course, 225 matches played, and at times 7 goals, 1 assist, and he won 10 titles with the club while he was here. Alors forcément, là on parle, et ce qu'on voit, c'est surtout le joueur. Évidemment, 224 matchs, c'est énorme, énormément de titres. Mais on s'adresse aussi maintenant à un coach plutôt en réussite, hein, désormais le costume d'entraîneur. On t'a connu évidemment avec Ancelotti, désormais on te voit porter fièrement notre section U19 et nos jeunes. Qu'est-ce que ça représente ça aussi pour toi aujourd'hui? Alors je sais que c'est une question qu'on doit souvent te poser, mais... Écoutez, c'est un honneur et c'est un plaisir parce que c'est une marque de confiance. J'ai fait 8 ans en tant que joueur, j'ai la chance d'avoir une reconversion... dans le staff de l'équipe première en tant qu'adjoint. Et derrière, on me donne des responsabilités d'entraîner les U19, qui sont l'équipe 2 du club, qui est l'équipe réserve maintenant. Donc c'est des responsabilités et c'est un honneur. Et je les accepte et je les prends avec plaisir. Et je suis content de toujours être là et du travail que je fais. He's very, very happy that the club has given him this responsibility. It's an honor for him to take over, to go from a player and now to coach the younger guys, the U19 team. It meant a lot to him, so it's an honor for him to coach that side. Et David, nous avons déjà une question. On a demandé à nos supporters s'ils voulaient t'en poser. C'est parti, on la découvre ensemble. Alors, Guardib qui demande quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur à Paris. La coupe, elle est à Papus. Ouais, soulever le trophée lors de mon dernier match. Thiago Silva. Ouais, je m'y attendais pas. C'était pas. Franchement, je pense que c'était pas préparé. En tout cas, je savais pas. Et l'honneur de pouvoir soulever ce trophée sur ce match qu'on avait gagné contre Reims. Voilà, la fête était là, tout était réuni. Et ouais, ça reste un souvenir gravé à jamais. Toute la famille était là, les amis étaient là, donc c'était top. So in his last match, this question is asking what is your favorite memory in saying winning that title, winning a trophy in his last match against Reims, and that's his best memory here at the club. Ouais, en tout cas, des souvenirs, il nous en offre plein maintenant, des victoires aussi. Quand on balaye un peu tes statistiques en tant que coach, on voit plus de 70% de victoires. Évidemment, on reste en plus sur une magnifique victoire face à Milan. On regarde un petit peu le classement du championnat U19. Alors là, tu vas nous donner ton regard, tu vas nous aider à décrypter, parce que c'est quoi cette histoire? Pourquoi tout le monde a le même nombre de points, Papus? Pas tout le monde, on est derrière à 18. Donc pas tout le monde, mais oui, c'est très serré, c'est très homogène. On dépend aussi des générations qu'on a. Nous, on joue aussi jeunes, mais il y a des clubs qui travaillent aussi très bien, comme Lille, comme Lens ou d'autres. Donc c'est un championnat passionnant et le fait que ce soit serré, c'est bien parce qu'on les forme à devenir des joueurs de haut niveau, mais sans dissocier l'aspect compétition. Voilà, on n'est pas que dans la compétition, mais c'est une partie aussi qu'ils doivent apprendre parce que voilà, ils doivent être des compétiteurs. That's right. So we're looking at the U19 Group A standings, and he's saying it's a very passionate league, and these players are developing to become players of the highest level, of course. So just one point separates
Fourth place from first place. Three teams tied for first place with 19 points in Paris Saint-Germain. They're in fourth with 18 points. Et les stats sont top. Les stats de Papus, quand on les regarde, le nombre de victoires également depuis que tu es à la tête. 61 matchs, évidemment beaucoup plus de buts, 196 que de buts encaissés. Et donc, je parlais des fameux plus de 70%. Eh bien, de victoires, c'est un travail quotidien, ça, avec des joueurs qui sont très jeunes, qui ne sont pas des produits finis, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, on porte bien notre nom, on est des éducateurs, on est des formateurs. Donc je ne construis pas une équipe chaque saison où je la renforce pour essayer de gagner un championnat. Je prends les générations qui arrivent, donc on bâtit quelque chose, on construit quelque chose avec des joueurs. Et puis il y en a qui passent la catégorie, qui vont au-dessus. Et il faut recommencer avec des nouveaux, donc un nouveau cycle qui s'installe. Donc c'est quelque chose de nouveau, mais on le fait très bien et je suis très content du travail qu'on fournit. These are the stats here under Kamara, 72% win rate. And what he's saying there is every year there's young players and every year the cycle changes over as the team changes a lot. We see there's very good stats on the screen there. 61 games, 44 wins, 3 draws and only 14 losses in his time. Tu voulais ajouter quelque chose, pas plus? Non, non, ben c'est un travail d'équipe. Là avec moi j'ai deux personnes de mon staff qui sont là, entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens. Allez, venez, les deux Nicolas. Ah, ils sont là. Voilà, ils sont dans l'ombre, mais ils se cachent. Et il y en a d'autres qui sont restés. Allez, les adjoints, bonsoir. Bonsoir. Papus avait envie de vous montrer les visages de ceux qui, au quotidien, font la section U19 et la réussite de cette section U19. Papus. Aujourd'hui, j'ai pu en emmener que deux. Il y en a d'autres qui sont restés. Ok, la prochaine fois. Voilà, il y a Hervé Guégan, Michael Simao, Bilal Bejaoui. Voilà, on est un staff très fourni. Il y a Lucas Lefebvre aussi, analyste vidéo. Donc, je ne pouvais pas emmener tout le monde. Aujourd'hui, c'est les deux Nicolas sont les deux heureux. J'espère que j'aurai l'opportunité de pouvoir ramener les autres dans d'autres matchs, qu'ils puissent aussi voir l'enceinte, même s'ils la connaissent, mais de la découvrir différemment. Mais voilà, c'est un travail d'équipe et sans eux, il n'y aurait pas cette réussite, il n'y aurait pas ces bons résultats. Well, we saw his stats a second ago, but he's brought some of his team members, some of his coaching staff here. He's saying we have a lot of analysts, we have guys that can analyze the videos, and it helps him a lot to prepare for every single match. And he hopes next time he's here, he can bring some others. Bah, je vous propose qu'on regarde ensemble la victoire face à Milan, qui nous a bien inspiré pour la suite de la soirée de l'équipe première. Si vous voulez bien, vous allez nous raconter ce qui s'est passé, les gars. Et ils sont trois, ils peuvent nous en dire des choses. Première équipe à battre la Primavera Milanaise cette saison, c'était quoi la stratégie là? Ça n'a pas été facile. Hein. Non, c'était un vrai défi pour nos garçons, sachant qu'on avait pas mal d'absences, pas mal de blessés. Et c'est des joueurs qui sont capables d'élever leur niveau. C'est un sacré défi pour eux, parce que cette équipe, elle était invaincue depuis le début de la saison. Mais c'est un défi qu'ils ont su relever. Et on est toujours dans cette course en Youth League, donc c'est une très bonne chose. That was a big win there against Milan. You can see there a goal from Seni Mayalu in the 30th minute there. And the team in the Group F standings of the UEFA Youth League, three teams tied on 6 points. Newcastle with no points thus far. We're saying it's a big win because that Milan team hadn't been beaten yet this season. So a huge win in the Youth League. Bon, les garçons, on avait évidemment envie de parler d'un joueur. Voilà, on voit le classement en Youth League où tout le monde est à 6 points. Décidément, c'est comme un championnat, c'est très serré. On avait évidemment envie de faire un cadeau à Papus. Bah tiens, je te propose que toi tu lui fasses parce que, évidemment, c'est un joueur. Qui d'autre? Tu peux nous le montrer à la caméra. Et oui, Warren Zaïre-Emery, évidemment. Grâce à vous, les gars. C'est un peu votre œuvre. Hein. C'est un peu le diamant que vous avez poli. Et désormais qu'on a réussi à sortir dans l'équipe première. Alors, on a une petite photo évidemment de toi, Papus. On n'en a pas avec vous tous, les garçons. Mais vous pouvez peut-être nous dire. Quel regard vous portez sur l'évolution de Warren?
donner la parole un peu. Allez. Sur l'évolution de Warren, peut-être sur les photos. Ouais, l'évolution de Warren, elle est pas forcément surprenante pour nous. Depuis, on le voit depuis qu'il a 14 ans chez nous. Donc, on n'est pas surpris. Maintenant que ça arrive aussi vite, forcément que c'est impressionnant tout ce qu'il fait. Mais nous, au sein du centre de formation, on n'est pas forcément surpris de ce qui arrive. Donc on espère qu'il ne va pas s'arrêter là et qu'il va continuer à s'imposer dans cette équipe. C'est une fierté pour nous au centre de formation de le voir. Et on espère que ça va ouvrir la voie aussi aux autres et leur donner envie de faire ce que Warren fait. This is a photo for the beginning of last season, and what he's saying there is we're not surprised to see how Warren has evolved as a player, because when he was at the academy, everyone knew that he would take these steps. It's very, very impressive what he's doing, but not surprising at all, and just hoping that it can inspire other kids in the academy to come through and break through in the scene like Warren has. Mais quand on regarde les photos et l'évolution de Warren, rien que l'évolution physique est impressionnante. Mais ça, c'est pour le joueur, le petit bambin qu'on a vu grandir depuis qu'il est arrivé dans la capitale. Mais Papus, tu disais, j'ai revu une interview de toi, où tu disais ce qui m'impressionne le plus, le footballeur, tout le monde le voit. Mais finalement, c'est aussi ce qu'il est en dehors du terrain. Et sur ça, il est aussi un exemple. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Bah c'est sa maturité. Il est très jeune, mais au niveau scolaire, il n'y a aucun problème. Il est toujours à l'heure. En cours, ça se passe toujours bien. Quand on a des réunions, on a quelque chose en dehors, une activité, il arrive toujours dans les premiers. Il y a une séance vidéo dans une salle. Vous arrivez, vous ouvrez la porte, les premiers joueurs qui rentrent, il fait partie de ces premiers joueurs. C'est le, entre guillemets, le gendre idéal, si on peut dire ça comme ça. Warren basically is an exemplary professional, even in the academy. He would show up to the courses first. He would show up to all the meetings first. So Warren has always been this way, always been very, very concentrated and focused. And we think that he's brought that to the first team as well. Mais quand on regarde ses stats cette saison, elles sont déjà hallucinantes. Évidemment, il y a son but lors du dernier match. Vous voyez, un but, 5 passes décisives. Warren est le meilleur passeur actuellement de l'équipe première à 17 ans. 12 matchs, il n'en a manqué qu'un, parce qu'il fallait quand même le laisser souffler, le petit Warren, après avoir été capitaine, évidemment, avec Titi Henry, avec les Espoirs. Est-ce que vous aviez vu ce potentiel offensif aussi? Parce que nous, l'année dernière, on découvrait un Warren vraiment milieu de terrain. Désormais, il se projette, il passe, il marque. Bah oui, si tu veux. Explique-nous le... Warren, on a l'impression qu'il progresse de match en match. C'est une impression ou... Non, je pense que c'est exactement ça. Il progresse à chaque match. Au départ, il a fallu aussi qu'il prenne l'habitude avec ce nouveau coach. Mais je pense que voilà, il prend de plus en plus ses responsabilités. Et déjà, même s'il est toujours... il a toujours dans la tête la question de l'équilibre et défensif. Mais je pense qu'il est capable de faire encore plus offensivement. Encore plus. Warren can do even more, but he's growing every single match. And of course, it took a little bit of time to get used to that new coach, and that's normal. But he's saying he's growing every match. He's finding that balance between attacking and defending well. And as we could see thus far this season, 12 matches played, already 5 assists and 1 goal in his time. Et il a même été élu homme du match, d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps, il était avec vous en Youth League. Désolé les gars, on vous l'a piqué. Mais peut-être que Didier Deschamps serait inspiré de faire pareil avec les Espoirs, d'ailleurs. On saura très vite. Mais on voit homme du match face à Milan. 2 passes décisives encore dans ce match. 4 dernières passes avant un but. Bon, évidemment, le nombre de ballons récupérés, tout ça. Ça vous étonne, à 17 ans, homme du match face à Milan? C'est exceptionnel. Tu es fier, Papus, d'avoir contribué à ça? On est fier de l'avoir eu sur notre passage et d'avoir pu l'accompagner. Mais il y a des joueurs comme ça avec qui c'est une évidence. Hein. Ouais. On est sur leur passage, sur leur chemin. Mais on sent que la voie, elle est tracée. Et si on peut leur apporter des choses dans leur parcours, on le fait. Mais c'était tracé. Après, ce qu'il fait là... on peut être surpris par la maturité, la facilité avec laquelle il fait, ouais. La précocité, surtout dans l'impact, puisqu'il arrive, il laisse parfois des joueurs par terre. Ça, on la connaissait chez les jeunes, mais de voir ça avec des joueurs beaucoup plus âgés, beaucoup plus costauds. Mais il fait du Warren, en fait. Il fait du Warren. Il a énormément de qualité. On le met devant la défense, il va récupérer beaucoup de ballons. Vous le mettez plus haut, il va faire des projections. Il est proche du but, il est capable de marquer parce qu'il a une très bonne frappe. Et si vous le faites en reculer un peu plus d'un cran, il est capable de donner des ballons. Mais sa qualité, c'est qu'il est au service du collectif. C'est un joueur porté vers les autres. Et vous pouvez perdre 2-3 ballons. Il va mettre la même intensité pour la récupérer et il va vous la donner
de nouveau. He's a player that gives everything for a team. He can recover the balls, but he's also there to give the ball to his teammates. He can shoot well, but he's saying the quality. He is proud to be there in the passage of Warren, but it's Warren who's done it. It's Warren's hard work and Warren's quality that's shown through in the end. Three more assists than any other player at Paris Saint-Germain this season. And those two assists versus Milan, the youngest player in Champions League history, record two assists in a match. Ouais, de toute façon, il a tous les records de précocité. Avant, c'était Kylian, maintenant, c'est Warren. Bon, je vous propose qu'on se fasse un petit best-of de nos meilleurs moments de Warren depuis le début de la saison. Une petite page de pub. Et juste après, avec Papus, eh ben, on dévoile les compos. Allez, on se fait du Warren. Olá, olha para isto. E dá uma olhada com isto. Allez, détendez-vous. Let's fly. Enter the cubes. Thank you.
Nous sommes de retour dans Kick-Off, l'avant-match à 49 minutes du coup d'envoi de cette 11e journée de Ligue 1 qui opposera Paris, actuel dauphin de ce championnat, à Montpellier qui pointe à la 11e place, David. Yeah, match day 11 versus the 11th place team in the league here from the Parc des Princes, Paris Saint-Germain, welcoming Montpellier. Now, it's time to focus on the opponent. Nous sommes toujours avec Papus Zoumana Camara et deux de ses adjoints, le tandem de Nico qui est avec nous. Papus, on va zoomer un petit peu sur cette équipe de Montpellier. Alors d'abord, regardez eh bien, ce que nous avons fait dans l'histoire récente face à Montpellier. On a remporté nos 8 derniers matchs de Ligue 1 face à eux. On plante beaucoup de buts. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce match ce soir? Est-ce que tu as un prono? c'est pas facile. Hein. La question ne doit pas se poser, mais... Mais je vois une victoire. Après, c'est des matchs qui ne sont pas évidents parce que on sait que dans à peine 3 jours, il y a la confrontation au retour face au Milan. Donc forcément... C'est le coach qui parle, là, t'as vu. Il y a une dynamique à avoir, ou en tout cas, temps de jeu peut-être à gérer chez certains ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que les victoires appellent les victoires. Donc, ce serait bien de gagner. Wasn't expecting the question of his prediction for this evening, but he thinks a PSG win. Talking about the team, there have been some changes from that last match versus Milan, but also have to look forward to that match coming up in the week. That is the next match following this one. But yeah, that's what he says, a PSG win, and let's hope so. Pardon, David? Ah. On me parlait en même temps, désolé. Papus, tu nous parlais de la dynamique. Du coup, justement, on peut en parler de la dynamique du Paris Saint-Germain et la comparer à celle de Montpellier actuellement. Donc, on le voit, la dynamique, nous, eh bien, on reste donc sur 3 victoires consécutives. Et donc, Montpellier s'est imposé donc 3-0 face à Toulouse. Mais ce qui m'impressionne, c'est évidemment la dernière ligne, les 70% de possession en moyenne par match. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend de Luis Enrique? Il avait posé le décor, il avait dit « je veux ça » et il y arrive. Non, je pense que partout où il est passé et toutes les équipes qu'il a entraînées, c'est quelque chose qu'on retrouvait, c'est son ADN. Et quelque part, le fait d'avoir cette possession, ça prive l'adversaire de ballon. Mmh. Et forcément, on les rend aussi moins dangereux. Donc ça donne une certaine maîtrise. Et depuis le début de saison, on le voit, face à cette équipe, c'est très 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 difficile d'avoir la possession. Ah bah oui, d'avoir le cuir. Looking at the head-to-head between these two teams coming into the match, Luis Enrique loves the possession, and that's what his side has, 70% possession throughout the season. Now this Montpellier team come into this match with 3 clean sheets in their last 5 matches. They beat Toulouse in their last match 3-0, but you can see there are 6 wins for Paris Saint-Germain thus far this season, 3 for Montpellier. Paris Saint-Germain, a team scoring goals, 23 goals, tied for best attack in the league thus far. Et oui, meilleure attaque du championnat et surtout un duel à distance puisqu'on parle d'attaque entre 2 joueurs offensifs, les 2 meilleurs buteurs de notre championnat. Évidemment, Kylian loin devant, mais Adams finalement pas si loin que ça, vous le voyez. 7 buts pour le Montpellierain et 10 pour Kylian. Au nombre évidemment d'occasions créées, Kylian est loin devant comme les dribbles réussis. Alors Papus, Kylian, son adversaire préféré, c'est justement Montpellier. Il a déjà été décisif à 15 reprises face à eux. Ce soir, comme tu le dis, c'est l'occasion pour lui de... Tu parlais de dynamique. Il a marqué contre Strasbourg, il a marqué contre Brest, il a marqué contre Milan. Continue comme ça ce soir? Je pense avec tous les buts que Kylian met, il doit avoir pas mal d'équipes favorites. Oui. Donc il aime jouer. Il a marqué contre toutes les équipes de Ligue 1 qu'il a affrontées, sauf le Paris Saint-Germain, quand il évolue à Monaco. Non, mais en tout cas, en espérant qu'il fasse un bon match et qu'il nous fasse du Kylian ce soir, bien évidemment. Voilà. It seems like Mbappe loves to play every team in the league, and this is one of his favorite opponents. As we pointed out, 10 goals versus them already, and in this season, he has 10 goals in the league and 1 assist. We're comparing him to Akua Adams there, as you can see on the screen. 7 goals for Akua Adams coming into this match, a Nigerian striker. He's a dangerous player as well, but Kylian is also creating the chances. 45 chances created to Adams' 16, 20 successful dribbles to his 5. Bon, si vous voulez bien, on a peu de doutes sur la présence ou non de Kylian a priori dans le 11 de départ. Mais je vous propose qu'on aille tout de suite droit au but. C'est parti pour la compo de Luis Enrique. Et pendant que les Montpelliérains arrivent sur le terrain, commence à y avoir un petit peu de bruit. David, on va commencer dans les cages avec l'Italien Gigio Donnarumma.
the big man, the Italian number one, Gigio Donnarumma. Bon, Luis Enrique aime bien nous faire des surprises, donc ce soir, on va avoir plusieurs latéraux de formation côté droit. On va commencer avec notre Marocain, Achraf Hakimi. Going for a record 300th win tonight, the captain Marquinhos. Il est de retour, il était forfait lors du dernier match. Le capitaine Marquinhos est là, tout comme son binôme, le Slovaque Skriniar. Yeah, poise and control, next to him, Milan Skriniar. And in the starting 11 tonight, Nordi Mukiele. Il est de retour, il avait longtemps été blessé. Nordi Mukiele est donc de retour. A priori, il pourrait évoluer sur le côté gauche. On va aller doucement la composition, le temps d'en parler. Notre petit chouchou de 17 ans est là, Warren Zaïre-Emery. Doucement, doucement, la compo. Next up, La Grinta boy, Manuel Ugarte. Donc vous l'avez compris, donc Warren Zaïre-Emery, l'Uruguayen Manuel Ugarte, de retour également dans le 11 de départ, tout comme notre Sud-Coréen décisif. Il avait trouvé le fond des filets, Lee Kang-in. A goal in his last match versus Milan, Kang-in Lee. La flèche Ousmane Dembélé sera titulaire ce soir, David. Pace, pace and more pace for Dembélé and then Randal Kolo Muani. Attaque, donc vous l'avez compris, 100% française. Dembélé, Kolo Muani et qui d'autre que le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, messieurs, dames, Kylian Mbappé. Top goal scorer of the league, Kylian Mbappé, finishes off a 4-3-3 formation for Paris Saint-Germain tonight. Papus, donc on imagine que Kolo Muani pourrait évoluer, donc changer de côté, aller côté gauche, mais que ce serait un 4-3-3 si on en croit a priori les postes de chacun. Qu'est-ce que ça t'inspire, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé? Tu nous parlais de presque prépa avant Milan, même si chaque match compte. On a presque un 11 de départ type là. Ah ouais, ben là il y a de la percussion, il y a de la vitesse, il y a de la technique. Le 11 qui est aligné ce soir ressemble fortement à ce qui pourrait se faire dans la semaine prochaine face au Milan. Ouais. It's a team with pace, it's a team with technique, and that is the 4-3-3 formation that you can see. Captain Marquinhos going for a record tonight. If he wins tonight, it'll be his 300th win for the club. Hakimi has been in form all season, Skriniar, and Nordi Mukiele back in the starting 11 for the first time in a while. And you see Zaïre-Emery, who we've talked about a lot tonight, Ugarte in the midfield with Lee Kang-in scoring against Milan, as we pointed out. And up front, Les Bleus, Ousmane Dembélé, Kolo Muani, and Kylian Mbappé. Est-ce qu'on a des questions d'ailleurs qui sont prêtes? Je sais pas, je prends peut-être la régie de cours, savoir si on a des questions qui sont tombées pour Papus. Est-ce qu'on en a par hasard? Parce que c'est le moment que jamais, on est à la fin de l'émission, à 41 minutes du coup d'envoi. Ah, on en a, voilà. Pierre, quels sont vos objectifs cette année avec les U19? Allez les gars. Écoutez, bah, ce serait de se qualifier de nouveau pour les playoffs. On a eu la chance de goûter à la finale la saison passée, même si on s'est incliné contre Nantes. Regoûter à ça avec cette nouvelle génération. Et puis essayer de se qualifier, passer ce tour en Youth League. Ce serait quelque chose de bien. Et puis après, c'est avancer petit à petit. C'est difficile d'avoir des objectifs très lointains. On regarde à court terme. Mais oui, ce serait plutôt ça. Bon, Papus, je suis désolé, je vous coupe. Eh oui, entrée des gardiens. Désolé, Michel. Je suis obligé de les annoncer quand même. Alexandre Letellier, Arnaud Tenas et Gianluigi. Ambre, David, je vous rends Merci. L'antenne. Et Papus. Merci. Et Zoumana. Camara. Évidemment. Évidemment. Papus qui nous parlait donc des objectifs et objectifs de formation du coup aussi, si tu le disais, double casquette. Les résultats, la compétition et la formation, c'est aussi important. Former les futurs. Après, développer les joueurs, les améliorer, ça c'est une évidence. Donc forcément, c'est plus qu'un objectif, c'est une obligation ça, les développer. An obligation to develop the players, to help them get better. But in terms of the objectives for the team, to qualify for the Youth League, the knockout round of that, and also qualify for the playoffs after this season. On a une autre question, David. Go ahead. Allez, on la découvre. PSG Forever, j'aime beaucoup ce pseudo. Quel entraîneur du PSG t'a donné envie de te lancer dans une carrière de coach? Allez, on peut étendre même quel entraîneur tout court, mais du PSG, c'est bien aussi. C'est une très bonne question. Il n'y en a pas un en particulier. J'ai pris chez un peu tous ceux que j'ai connus ce que j'ai aimé. Je ne peux pas dire aujourd'hui
c'est celui-là qui m'a donné envie d'entraîner. Non. Dans mon parcours, j'ai aimé des choses chez la plupart que j'ai côtoyées ici. Et j'ai pris ce qui me ressemblait pour en faire du Papus. Mais ouais, c'est ça un peu. Je me suis inspiré de ce que j'aimais, de tous les entraîneurs que j'ai connus. This question was asking which coach inspired you the most on your coaching career. Who did you take the most from? He said no one in particular, just along the way. I took bits and pieces that helped form me as a coach and as a player. Et voilà, c'est tout pour nous. On va se quitter sur ces beaux mots. Former l'avenir, former le Paris Saint-Germain, être inspiré des plus grands, de tous, on a compris. Il n'avait pas envie de se mouiller, pas plus ce soir. On espère que nos joueurs se mouilleront un peu plus sur le terrain pour cette 11e journée de Ligue 1. Paris-Montpellier, David, merci Papus. Merci Onico. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, David. Merci. Merci. Hein. Il est désormais temps de rendre l'antenne. On vous laisse profiter du match et de Michel Montana. Évidemment, très bonne soirée à tous. Ciao. Merci Ambre, merci David. Alors juste quelques secondes avant de rentrer de plein pied donc dans cette soirée. J'ai juste à côté de moi un grand supporter du Paris Saint-Germain, Raphaël Quenard. Donc peut-être que vous avez vu Chien d'Acasse. Raphaël, merci. Donc c'est bien d'arborer le maillot, qu'on le montre bien à la caméra. Parce que s'il est originaire de Grenoble au départ, c'est un vrai Parisien. Alors, à quel âge tu as été mordu par les rouges et bleus ? J'ai été mordu par les rouges et bleus dès l'âge de 5 ans, pour la simple et bonne raison que mon frère, qui pratiquait le football et qui m'a transmis sa passion, supportait Paris Saint-Germain. Alors toi, c'est quelle époque ? Quels sont les joueurs qui t'ont marqué ? Non, moi, c'est l'époque Ronaldinho, Paoletta, après Néné, évidemment Ibrahimovic. Ah, ça donnait que... Zlatan ! Ah, tu vois, ça répond un peu. Et si je dis Pedro Miguel ? Ah voilà, c'est... Zlatan, faut que tu refasses Zlatan. Alors tes meilleurs souvenirs ? T'es obligé de refaire Zlatan, tu peux pas laisser Zlatan sur un suivi comme ça aussi bancal. Ah tu veux que je refasse ? Bon les ultras, les deux virages, Zlatan ! Ah t'as raison. Voilà, merci Raphaël, je te souhaite une bonne soirée. Donc rentrez des bons pèlerins. Je te souhaite un bon match, un pronostic. Bon match à toi, à mon avis un 18-0 pour PSG. Carrément. Bon match à vous, on se retrouve dans un instant. Robert,
Thank you.
Il a combien? 262 je crois, ou 252, un truc comme c'est ça. Sûr. Presque. Ah, c'est stade 2023. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch et YouTube du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui avec Monsieur Trif Makonda et avec Monsieur Trafi pour ce PSG Montpellier. Comment ça va les gars? Bah écoute, ça va bien. Bon, ça va bien. Super, hein. Nickel. Hein. Donc Trafi qui nous rejoint pour commenter ce match aujourd'hui. Trafi, je vais te présenter rapidement, bien sûr, un adepte du football, créateur de contenu dans le foot. Effectivement. Champion du monde de street foot. Effectivement. Et premier champion du monde de street football français. Je tiens à le préciser. Ah, c'est bien ça. Nous avons quelqu'un avec nous ce soir pour commenter ce live sur la chaîne du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas dans les commentaires Twitch et YouTube à poser vos questions également à Trafi, ce PSG Montpellier. Trafi, est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement sur ta relation avec le Paris Saint-Germain? Comment ça se passe? Ma relation avec le PSG, frérot, elle est simple. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. J'ai vécu toute ma vie à Paris entre le 19e et le 14e. Donc, si tu fais les maths, la réponse, elle est simple. Hein. Mais je pense que l'histoire d'amour, elle a commencé réellement dans les années 2000. Signature de Ronaldinho, mec, moi, c'est mon joueur référence. Après, voilà. Ah, c'est technique, hein, forcément. Et toi, t'aimes tout ce qui est geste technique. Ouais, tout ce qui est lié à la beauté du football. Moi. T'es passé un peu aussi par la S3 Freestyle que beaucoup connaissent. L'Académie, ouais. Hein, l'Académie. C'est là où on a subi la formation un peu yoga bonitesque, on va dire. Donc, grosse dédicace, tonton Céane, tu sais déjà. Donc, ouais, voilà, on est passé par là. Aujourd'hui, on est créateur de contenu autour du foot, principalement. On est sur Twitch, on est un peu partout. Et puis voilà, merci pour l'invitation, en tout cas, les gars. Avec plaisir. Et Trippi, le savait pas, mais tu as été formé également au PSG. Ah ouais, j'ai été formé au PSG entre 2011 et 2013. Entre 2011 et 2013. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Ah, moi, j'étais déjà parti, moi. Ah, t'es déjà parti? Ah, j'étais parti au stade Bresto à ce moment-là. Ah, t'as quel âge, là, aujourd'hui? Moi, j'ai 33. Ah bah ouais, on s'est raté, mec. Ouais, vous êtes raté de peu. De peu, de peu. Non, c'était une blague. Désolé, c'était une petite blague. Il on s'était dit, on va lui faire croire à Trippi que Trafi. Non, j'ai pas joué, les gars. J'ai fait toute ma vie à Paris, sauf au club. Alors aujourd'hui, donc Paris Saint-Germain-Montpellier, 11e journée de Ligue 1, les amis, avec la forme actuelle de Montpellier. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur 9 matchs joués pour Montpellier, qui est un match en retard. Cependant, 15 buts marqués en 9 matchs, donc c'est une bonne attaque, cette équipe de Montpellier. Et d'ailleurs, parenthèse, dernière victoire, 3-0, doublé de Adams. C'est ça que j'allais dire, c'est que parenthèse, j'ai vérifié Montpellier, tu sais que toutes leurs dernières victoires, c'est que des plus 3. Ah ouais, ça joue. Ouf. Et le PSG également est sur 4 victoires d'affilée, 4 matchs avec 3 buts à chaque fois pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai. Le PSG qui enchaîne bien en Ligue 1, le match qui a commencé dans une petite minute. D'ailleurs, petite stat comme ça au classement des meilleurs buteurs. Premier Mbappé avec 10 buts en 9 matchs. Et deuxième, c'est Akor Adam justement de Montpellier avec 7 buts en 9 matchs. Donc on a un vrai duel de attaquants de pointe aujourd'hui. Les amis, on va pas perdre de temps, directement partir sur la compo de ce match parce que ça commence tout de suite avec Donnarumma dans les cages pour commencer. La défense, on a un petit changement. C'est Hernandez. J'ai vu qu'on est parti sur un Marquinhos Skriniar. C'est ça. DC. Donc Mukiele en défenseur gauche, Marquinhos Skriniar dans l'axe. Et côté droit, on aura donc Mukiele à droite, Hakimi il est où? Hakimi dans l'axe, ouais, c'est ça. Milieu de terrain donc Manuel Ugarte, Zaïr Emery et Kangin Lee. Et devant Mbappé, Dembélé, Randall, Kolo Muani. Tu sais, anecdote, j'ai tourné une interview d'Ugarte il y a pas longtemps.
Alors, ça s'est passé comment? Et le mec, en parler ou pas encore? Crème, ouais, je peux en parler. Il t'a mis des taquets, parce que c'est vous. Déjà, c'était un peu compliqué parce qu'il parlait pas super bien français et anglais. Ouais, mais le mec, il était en mode hyper déter, hein, genre il prenait des cours et tout. Ouais. Il y avait une volonté de s'intégrer, tu vois. Et franchement, super cool le mec, super cool, super sympa. On a fait des petits exo-foot et le mec était impressionnant, mec. Il était vraiment impressionnant, c'était une machine. Ouf. Ouais, et vraiment, pour l'avoir rencontré du coup en perso, je suis devenu encore plus fan du mec. Quoi. Allez, l'équipe de Montpellier qui a la balle pour l'instant dans ce début de match. Est-ce qu'il y aura le match en direct ici ou pas? Non, malheureusement, on n'a pas les droits télé pour ça. Simplement, on vous commente le match comme d'habitude sur Twitch et sur YouTube. On répond à vos questions également. Si vous avez des questions pour Trafi, n'hésitez pas sur le chat. N'hésitez pas, les gars, je suis rempli d'anecdotes. On a pu voir aussi pas mal de pronostics. On voit des 4-0, 3-2, 5-0, ah 3-0, ouais 4-0. Sachez que les 4 derniers matchs du PSG, c'est 3-0. Donc, c'est quoi vos c'est 3 buts marqués pardon, par le Paris Saint-Germain. Oh là là, attends, ça commence mal, ça part sur le flanc gauche. Mais non, t'inquiète pas. Mais il y a Skriniar qui cadre. Oh, oula, oula, attention, l'action là pour Montpellier. Petit, merci. Porte Montreuil, le check play, hein. Le check. Comme on dit, le check play. Mais ah ouais, attends, là, c'est. Est-ce qu'ils vont sortir? Ah, non, on a eu sur le côté. Eh oui, merci. Qui va récupérer la touche. C'est comment pronostic pour aujourd'hui? Sans en faire trop. Mais dis pas 2-1. 2-1, c'est déjà réservé. Non, non, j'irai pas 2-1, mais je dirais un petit 3-1 quand même pour le PSG. Un petit but pour Montpellier parce qu'ils ont une dope attaque quand même. Mais ouais, un petit 3-1, tu vois. Ouais, Accor Adams qui a mis beaucoup de buts cette année, hein, 7 pour l'instant, et TG Savanier qui est forcément une machine à passe D derrière, 4 passes D pour l'instant, je crois que c'est le troisième meilleur passeur du championnat de France pour l'instant. Trippi, on ne demande pas ton prono. Tu connais déjà mon prono. C'est quoi ton prono? Moi, c'est 2-1 moi. 2-1 tous les matchs. Non, mais 2-1 c'est des pronos interdits ça. Non, c'est des bons pronos. C'est des ça. Pronos trop faciles. C'est des pronos suspense. Mais non, c'est. Ah ok. Tu sais que moi j'ai une théorie. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas les gars. Je considère que dans un match, l'équipe qui met le troisième but a toujours gagné. C'est une théorie un peu abstraite. Parce que généralement, si tu mets le troisième but, c'est soit il y a 2-1, tu as tué le match, soit tu as mis 3-0, tu as écrasé le match. Tu vois, il n'y a pas. Mais tu vois, le 2-1, il est. Toi, le 2-1, il y a 2-1, il y a toujours du suspense. Ouais. C'est le 2-1. Attends, est-ce que c'est un 2-1 45e ou un 2-1 90e? Non, c'est un 2-1 à la 80e. À la 80e? Quand tu commences à ah ouais, ça veut dire quand les 10 dernières minutes, il y a ah, ouais, tu vois que. Vois très bien, c'est là où tu vois les, hein, les joueurs. Les 10 dernières minutes où vraiment tu transpires. Ouh là là. Ah, pour l'instant, ça passe beaucoup sur le côté de Mukele qui défend bien. Rien, ça. Dans ce début de match, Mukele qui est pas forcément à son meilleur poste, hein, défenseur gauche, on va pas se mentir, il joue en général ouais. Défenseur droit, mais défenseur central. Tu sais que moi je l'aime bien, mais il peut jouer partout. Moi. Ouais, il peut jouer partout, je trouve qu'il a un jeu grave percutant, tu vois. Là avec le pied gauche justement, ouais, la très bonne relance. Ah, il s'est appliqué d'eau sur son pied gauche. Oui. C'est un jour la solide. Loi du commentateur. Ah, il s'est appliqué d'eau. Ouais, obligé. Non, mais de toute façon, on l'attend pas à monter comme Achraf, lui ça va être dans l'animation avec Skriniar et Marquinhos derrière, ouais. Et Hakimi va être un peu plus libre avec Dembélé sur son côté. Forcément, franchement, moi, j'aime bien comment ça combine les deux. Voilà, tant qu'il tacle, moi ça me dérange pas. Tu vois. Ouais, pour l'instant, l'équipe de Montpellier qui passe beaucoup sur le côté gauche, récupération de Manuel Ugarte. Ugarte, mais oui, au milieu de terrain, Manuel Ugarte qui vient conserver cette balle tranquillement et repasser derrière avec Milan Skriniar. Mais alors oui, Trafi, tu nous en as un peu plus sur le Paris Saint-Germain, c'est notre invité aujourd'hui, on va apprendre à te connaître un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas sur les réseaux du PSG. C'est quoi tes plus beaux souvenirs ici au parc? Je pense que j'en ai deux des plus beaux souvenirs. Je pense en numéro 1, je mettrais le premier match que j'ai vu de Rony, 2001 quand il arrive au PSG. Ouais. Moi j'étais trop fan de cette génération brésilienne, j'avoue j'étais matrixé. Je pense qu'on a tous eu un maillot du Brésil déjà. Donc, de fou, bah oui. Et puis Brésil 98. Même dans l'histoire du PSG, t'as vu la relation un peu parisienne et brésilienne, elle a toujours. Existait, on va dire, tu vois. C'était la preuve avec cette tête de Marquinhos. C'est Neymar, c'est Marquinhos, tu vois. Par contre, ah on ouais, se Lucas Moura. Un peu. Il y a toujours eu beaucoup de Brésiliens au Paris Saint-Germain, c'est oh vrai. Oui, gamin. Skriniar, mais oui, mais oh. Ah, la bonne défense de Skriniar. Stop, hein. Pour l'instant, gardien. Comment il s'appelle gardien. Celui en blanc, c'est Trafi. Trafi, que vous pouvez retrouver sur TikTok, sur Twitch, sur exactement. YouTube. C'est I am sur Trafi Insta. Partout, les gars. I am Trafi. Ça ne bouge pas. Et ouais, deuxième souvenir, je pense vraiment. C'est genre, je m'en souviens de la première fois que j'ai eu des accès au Parc des Princes. Tu sais, en créant du contenu petit à petit, on a des petits accès dans les stades et tout. Bah, la première personne que j'ai ramenée, c'était mon petit frère. Parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion d'aller au stade quand j'étais petit. Donc, j'ai ramené mon petit frère. Oh là là, des récupérations, t'as peur. Ah, Ugarte,
pour l'instant, en début de match, bien en vue. Trop bien. Ah, je comprends parce que moi aussi, je ramenais mon grand frère à l'époque quand je pouvais ramener. Ah ouais. Bah moi, c'est mon petit ref et j'ai vu à quel point ça l'a fait kiffer. Et c'est maintenant, il grandit avec cette culture trop parisienne de dingue, tu vois. Donc, je pense que c'est mon deuxième meilleur souvenir, on va dire. C'est beau d'avoir. Alors, c'est quoi, vous, vos meilleurs souvenirs du parc? Oh. Bah, Trippi, c'est simple pour lui. Hein. Moi, j'ai joué. Ouais, c'était quand t'étais sur la pelouse, hein. Ouais, non, mais moi, c'est un PSG Monaco en 98 avant la Coupe du Monde. Et à Monaco, il y avait Martin Djetou avec ses grosses cuisses là. Ouais. Et moi, j'étais tribune. Mon père a réussi à avoir des places. Des places tribune Auteuil. C'est souvent une histoire de place. Hein. C'est souvent une histoire de. Ouais, on est allé au stade, on a kiffé. Hein. Ouais, mais bon, c'était des places, tu connais. C'est ouais. Tout dehors. Bon, les gars, qui veut des places? Et en fait, j'étais à Auteuil bleu haut. T'es pas sur quel fond. J'étais à Auteuil bleu haut et franchement, c'était un. C'est une bonne expérience parce que j'ai eu que la voix cassée après. Ah ouais. Warren Zaremri, la bonne prise de balle sur le milieu de terrain, il va être stoppé derrière. La contre-attaque est lancée par gardien. Oui, la lecture. Oui, la lecture. Donnarumma. Ouais. Oui, bonne sortie de Donnarumma qui vient annihiler cette action. Non, mais toi, je dis ça parce qu'en fait, c'était l'école primaire où tu avais école le samedi. Ouais. Et j'ai pas été le samedi. Tellement j'avais la voix c'est cassée. C'est vrai qu'il y avait école le samedi à l'époque. Moi, un meilleur souvenir au parc. Tes meilleurs souvenirs. Si tu dois en citer genre 3. Ah, c'est dur, hein. Ça va, je te laisse le choix large quand même là. 3 souvenirs. C'est dur. Il y a un PSG Liverpool, je crois. Que c'est PSG Liverpool. Oh là là, il y a genre. Il y a à peu près 3 ans, on était assez dos au mur en Ligue des Champions. Ouais. Il y avait dans le groupe où il y avait Naples. Il fallait absolument gagner ce match. Il y avait une ambiance de dingue. On avait gagné, je crois, 2-1 ou quelque chose comme ça. Ouais. Le but de Di Maria, tu veux dire? Ouais, ce match était fou. Ouais, il envoie une enveloppée là-bas là. Ce match était fou. Ensuite, je vais partir sur des matchs un peu plus anciens. Un PSG 24-2. But de Peggy Lui. On est en quelle année là? But en de Kiesman. 2008-2009. Là. Et après, peut-être mon premier match en loge au PSG. C'était un ami de mon père qui m'invite. C'est que moi, je crois. Attends, est-ce que je me rappelle mon premier match en loge? Ah, si, je m'en souviens. Un ami de mon père qui m'invite. Ouais. Premier match en loge, j'étais comme un fou. Et ce match-là, c'est PSG Bastia. Okay. But de Zlatan en aile de pigeon et but de Cavani qui dribble tout le monde là-bas. Les deux buts dans le même match. Je peux vous dire que ce match-là, tu l'oublies pas. Oh oui, le débordement, est-ce qu'il l'a, c'est un peu long. Oh. Un match où tu as deux buts de fou comme ça, tu l'oublies pas. Non, je pense que tu l'oublies pas. Je suis d'accord. Chiant cet attaquant. Les gamins, ils cherchent directement la balle. Mais de fou, ça joue long, mais directement à côté Montpellier. Il cherche directement lui en profondeur. Oh, Monsieur Buquet, c'est quoi ça? Un petit point sur la compo. Côté Montpellier également avec Lecomte dans les cages. Silla, Estève, Kouyaté, Sako en défense. Ferry, Chotard au milieu de terrain. Et devant Fayad, Savanier, Altamari et Adams. Leur numéro 9. Ouais. Wesh les gars. Numéro 8 pour le coup ici, mais c'est leur numéro 9. C'est vrai, attention, je t'en vais trouver ici en profondeur devant Marquinhos, le contrôle. Dommage. Hein. Heureusement qu'Hakimi a suivi derrière, mais il y avait une position de hors-jeu. Là, on n'est pas très bien là. Ah ouais, on va revenir hors-jeu. Mais en vrai, même défensivement, côté Montpellier 1, c'est pas non plus hyper firme. Hein. Ah, Montpellier, ils sont connus pour leur attaque. Comment? Montpellier est connu pour leur attaque. 15 buts quand même en 9 matchs, c'est solide. C'est vraiment tout pour l'attaque, mais attends. Ça va arriver, les gars. Pour moi, ça va se dérouler petit à petit. Moi, je reste sur mon prono, les gars. J'ai dit 3-1. Hein. Et qu'est-ce qui se passe pour celui qui a raison? J'ai même pas dit de prono, moi, je crois, non? Si, t'as dit un prono, t'as dit 7-0 pour le PSG. Non, je vais partir sur un 2-0. Moi. Ah ouais, les gars, 2-0, vous... les gars, vous prenez pas de risque. Ok, je prends un risque. On allait s'amuser un peu. Ok, allez, 5-2. 5-2, bah voilà, ça c'est du. Oh oui, ça c'est amusement ça, gamin. À la Kimi, le bon lui, qui laisse passer à Kanguidi. Oh oui, ça c'est de la chance, ça. Oh là 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 là, le but de Zinza, t'as vu ou pas? Je vous ai dit. Oh là 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 là. On part sur un 5-2 et boum. Oh là là, bah oui, ça c'est amusement ça. On prend des risques, les gars. Quel but incroyable. Et les gars, est-ce que on affronte. Là c'est Milan ou on affronte Montpellier? C'est le même but là en vrai. C'est magnifique, ça part du côté droit avec Achraf. Hakimi qui Dembélé. Envoie un centre. Ah oui, ah oui, Dembélé, oui. Puis Achraf Hakimi, le centre en retrait d'Hakimi que Mbappé va laisser passer en faisant une petite feinte et au final Kanguidi qui prend super bien ce ballon et qui envoie une patate en lucarne. Comment on dit coréen, s'il te plaît, vas-y. Sors-nous la traduction là, dis-nous. Je veux dire quoi en coréen, dis-moi. Non, mais dis-lui, c'est lui qui a marqué. Traduit tout ce que t'as dit, c'est plus compliqué là. Tu mets frappe en lucarne. Ah ouais.
je vais regarder. Les gars, j'ai l'impression que... Attendez, est-ce que c'est un schéma travaillé là ou pas du toujours, tout toujours, toujours. Parce que ça fait deux fois qu'on a le même but en... Toujours. En deux matchs en là. En fait, t'as Kylian déjà qui aime bien cette position là, quand ça dépasse ouais. sur le côté droit, ouais. il aime bien venir dans, ouais, dans la demi-lune. C'est la passe en retrait, c'est pas la passe à ouais, couper devant le gauche. Il aime grave venir dans la demi-lune et là en fait, t'as notre ami gaucher phénoménal qui envoie une lucarne. Une pépite. Après, vraiment, c'est toujours cette relation entre Dembélé et Achraf. Et Achraf hein, qui porte ses fruits. Hein, est-ce qu'il a allumé, on peut dire? Ah, il a allumé la mèche. Il a allumé la mèche. Il a allumé la mèche. Paf. Oh là là. Attendez. Ah ouais, c'est cet angle-là. Il a allumé la mèche. Le contrôle est parfait. Oh là là. Il y avait une toile derrière, je crois. Il est plus là. Les gardien, gars. Même si t'as bien mangé là, t'as pris une bonne collation, ce but-là, tu vas le prendre quand même. Oula, Mbappé au pressing. Les gars, ce match-là, ça va dérouler, je vous dis. Ah, la récupération. Comment ça presse? Alors que ça mène 1-0 à domicile. Bon, la traduction, tu nous l'envoies ou pas? Ça c'est pas pour nos amis coréens. Les commentaires un peu coréens justement. Allez, sur YouTube. Oui. Oh là là. Dembélé qui s'est passé. Ousmane Dembélé petit pont. Ça revient avec Achraf Hakimi. Ousmane Dembélé encore une fois à la fin de corps, il est passé. Oh là là. Le centre second poteau. Dommage. Les gars, je vous jure, c'est incroyable ce jeu. C'est incroyable. Quand c'est comme ça, c'est grave. C'est incroyable. Les gars, ça va dérouler. Manu Ugarte pour récupérer ce ballon. Non, attention à gauche. Attention à droite. Gardien. Ça va. C'est Marquinhos. Donnarumma. Ça vient, gamin. Ça vient. Il est tout seul. Voilà, tranquille et tout. Oh, il était tout seul au pressing. Bon. Je pensais qu'il allait provoquer la Kangli, mais non, au final il a eu raison. Non, il n'y a pas trop de commentaires coréens pour aujourd'hui, mais... Ah ouais? Ils sont en vacances. Ouais, ils sont en vacances. Il y en a quelques-uns, mais ça va. Sans qu'on se voit. Est-ce qu'on peut parler de l'entame de match de Dembélé ou... Ah, il est chaud, Ousmane. Parce que la manière dont il ose, ça me surprend. Ah ouais, les espaces... Mais Achraf, maintenant t'es milieu, t'es plus défenseur. Quand même. Ouais, heureusement que Dembélé est bien revenu là pour défendre. C'est la règle. C'est la règle. Dembouze. Tu vois, c'est la règle entre les latéraux et les ailiers quand le latéral joue piston. Des fois, il faut inverser, tu vois. Dembélé qui revient bien défendre là sur cette action. Mbappé, non, c'est pas Mbappé qui a marqué pour l'instant, c'est Kangin Lee pour le premier mais but. Mais ça arrive. Je pense. Ça arrive. Coming soon. Moi, j'ai parié 3-1. Arsène, il a dit 5-2. Ça arrive. Allez, la balle dans la possession cette fois-ci. Non, c'est lui. Que des longs ballons. C'est lui. Les gars, vous pouvez pas avoir Moukele comme ça. Et la relance avec Ugarte. Oui, Ugarte. Prise de risque, ça mais ça passe et faute sur Manu Ugarte. Eh ouais, mon gars, tu peux pas faire des fautes comme ça. Ah oui, ça cherche direct Mbappé là. Ah ouais. Tu peux pas faire des couettes, c'est mort. Bah, il est t'es mal long, homme. Hein. T'es mal homme. Ah, Kouyaté solide. Hein. Allez, Skriniar avec le ballon tranquillement. Ça te plaît toi ce duo Skriniar-Martinez? T'aimes bien? Ah c'est propre hein. Pour l'instant en début de saison Ouais ça va. Propre. Allez Skriniar hein. Avec Nordi Mukiele sur le côté gauche. Kangli. Ah Kangin Lee qui va prendre son temps, repartir tranquillement. Non lui il veut masquer ses passes. Kangin Lee ouais veut. Mais lui, ce que j'aime bien c'est que ce mec là il est partout aujourd'hui. Je sais pas si tu vois un peu les nouveaux rôles des 6 aujourd'hui, hein. Putain Dembélé. Ah ouais, il veut que travailler. Il n'avait pas compris. Je pense qu'il y a eu venir dans l'axe là, il y avait les deux là dans l'axe. Petite incompréhension, ouais, mais c'était refait une super combinaison là entre les deux. Exactement. Ouais, mais là en fait t'as Achraf qui va sur le côté, qui lui ouvre l'axe. Vas-y rentre mon ami. Ouais. Après t'as mais, Kylian mais et t'as Kolo. Parce que à chaque fois qu'il y a un débordement, tout le monde attend le ballon au niveau du point de penalty. On sait qu'il va arriver, tu vois. Ah mais après ils vont tellement vite dans les combinaisons que c'est compliqué justement de prévoir ce qui va se passer. C'est vrai mais c'est un jeu. Oh, les gars, à un moment pas donné. Attention. Ouais là c'est la communication là. Mais au final les gars c'est tranquille. Hein. Donnarumma en retrait avec Marquinhos, le capitaine du jour. Mais Warren on ne voit pas beaucoup là. Parce qu'on a un jeu qui est très très long là côté Montpellierin. À chaque fois qu'ils ont des ballons, ça dégage, donc ça passe pas trop par l'axe. Du coup il est un peu moins présent on va dire. Allez Mbappé. Oh oui. Attends le bon moment. Pour lui donner. Oui. Allez, quand ok. Ok. Non, c'était fermé. Ouais, il a eu raison. Il prend c'était son temps. Oh, et derrière Manu Ugarte qui s'oriente très, directement très propre, bien. Ça. Ouais. Deux touches de balle contre. On va chercher la balle le dynamiteur. Voilà. Okay, toi tu fais ça là. Oh là là. Aïe. Dembélé il enjambe. Il enjambe et retrouve Warren. Dembélé encore une fois la passe pour. Non. Dembélé a précipité. Il sera capté par le compte. Après, elle était dure, hein. On dirait pas comme ça, gars, mais. Le gars a bu son bissap. Elle était un peu dure. Ouais, elle revenait mais un peu. Mais t'as capté ce qu'il fait à chaque fois Dembélé depuis le début ou pas?
À chaque fois, il fait feinte de je rentre dans l'axe, mais en fait, ouais, je la donne. De fou, de fou. Je la donne dans le couloir. Non, quand il est comme ça, c'est trop. Trop maîtrisé ce qu'il fait, c'est abusé. C'est comme toi avec les petits ponts. C'est ouais, un mécanisme. C'est vrai, c'est vrai. Sache que jusqu'aujourd'hui, mec, j'ai rien perdu. Hein. Ah ouais? Ah mec, tu mets n'importe qui en face. Moi, parce qu'en fait, moi, j'ai des schémas. Ça veut dire quand je te regarde, je vois ta posture et je demande toujours, t'es droitier ou gaucher? Je sais exactement comment je vais te le mettre, le petit pont. Toi. Mais moi, j'ai pris un petit pont par. Par qui? Comment il s'appelle? C'est Céane, non? Céane, ouais, ouais, exactement. En fait, on bah, a lui, tu vois, c'est mon mentor, lui, un peu. Bah, tu vois, on avait fait un tournoi. C'était Mathieu Bodmer qui avait fait un tournoi dans le Kindle ouais, Arena. Il a des tournois comme il, ça. Dans ouais, le Kindle Arena quand, ah, il était encore quand il était encore au PSG. Ouais. Il nous avait invités et tout, donc on joue contre la S3. Premier face à face, hein. Il t'a mis. Il monte sur le ballon. Il monte sur le ballon. Je me dis non, quand même, un minimum. Tu dis tonton. Tu mets au moment, au moment où j'ai tendu ma jambe, chop chop. Ah là là là. Devant tonton, le banc. T'as vu les souvenirs qu'ils ont de toi, les gens, tonton. Devant le banc, les gens rigolaient. C'est ouf. Mais tu sais, c'est quoi le truc non, avec ce mec? C'est que ce mec, il a tellement cultivé ce truc du petit pont ouais, que c'est pas la honte de se le manger par lui. C'est normal quoi. C'est normal parce que c'est ouais, son tout jeu. Tout le monde a pris un. Tout le monde a appris, mais je peux citer des joueurs, laisse tomber. Donc au final, bon, si toi tu te le prends, c'est en. Tu comprends non, que c'est là, juste son non, jeu. Là, il y avait du monde. Ouais, ça fait mal la un réputation. Peu, ça fait mal, ça fait mal au cœur. Ça pique. Il y avait la réputation. Il y avait la réputation, mais c'est pas grave. Et puis j'étais encore en activité. C'est en ça plus, c'est défenseur. Défenseur en plus. Oui, j'étais encore en activité. Y a. J'espère qu'on t'a pas mis sur le banc le match d'après à cause de ça. Comment les gens vont percevoir ça? Oh. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est, le pire, c'est que ces gens-là, s'ils viennent aussi, se le mangent, tu vois. Mais ils le savent pas. Malheureusement. Non, les gars, vraiment, l'art du petit pont. C'est vraiment un art et un sport incroyable. Vous devriez essayer. Là, ça va. Là, il y a un temps calme là dans le jeu. Ouais, c'est un match d'avant Ligue des Champions, donc forcément. Ouais, mais j'espère qu'on va faire si comme on peut se mettre à l'abri le plus rapidement possible oh, côté Paris Saint-Germain. Ouh, ce serait. Ah, oh, ouais, je dis quoi t'es. Lui, je t'explique, il est en mission aujourd'hui. Il a une mission. Elle est très très simple. Il y a un seul ordre dans sa mission. Il y a rien d'autre. Tiens. Quel engagement. Ah gars, il est pas là pour défendre les buts, il est pas là. Non, il a une seule mission. Achraf Hakimi hein, qui est replacé dans l'axe là. Ouais, de haut, j'allais dire, il a un rôle très Un peu comme Cancelo, on voit avec avec vrai. City ou avec City, ses autres clubs. Non mais quand il était avec City notamment. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ou avec le Bayern. Surtout que maintenant des postes un peu milieu type 6, ça a tellement changé, je trouve. J'ai l'impression qu'un 6 aujourd'hui, il doit être et 6, et attaquant, et défenseur, et relayeur, et récupérateur. C'est ça rejoue partout. Tu sais pas faire toutes ces tout ça, tu peux pas. Tu peux pas faire tout ça. Et en plus, faut avoir une qualité de passe casseur de ligne. Sinon, même, c'est mort. Ouais. Même les gardiens doivent avoir un très bon jeu au pied. Mais c'est obligé. Même, déjà, ça avait commencé par les décès, je trouvais. Tu vois. Où vraiment, il fallait des décès et des latéraux avec des pieds de fou, tu vois. Ouais, après c'est le football qui veut ça parce que tu vois je trouve que niveau évolution. Technique il a quelque part pas je dirais pas qu'il a augmenté mais qu'il s'est plus élargi au niveau des postes tu vois. Ouais et puis après c'est aussi les entraîneurs quand ils amènent cette tactique où t'as les latéraux qui commencent à monter énormément donc t'as plus de postes prédéfinis. Non. En fait c'est un rôle dans un moment mais précis. T'as vu, avant il y avait vraiment un profil oui, avant, c'est latéral là tu montes pas. Voilà, latéral tu montes DC, pas. DC tu restes DC, aujourd'hui le DC c'est celui qui doit casser les lignes, c'est celui qui doit emmener un peu plus de et qui doit assurer la sécurité voilà. Psychologique aussi de l'équipe. On a Pochettino 5 sur le chat qui nous dit on se rappelle du roi du petit pont, Javier Pastore. C'est vrai qu'il est arrivé sur le terrain. C'est vrai que c'était quelque chose. Il régalait en petit pont. Il a voulu en mettre un ici. Il a réussi ou pas? C'est ça la non, il a pas réussi. Il a pas réussi. T'es sûr? Non, il a pas réussi. Est-ce que la régie elle peut nous vérifier les archives? J'attendais. J'étais là sur le côté ici. Il est venu très élancé. J'ai dit aujourd'hui. Là. Attends, il était. Deux questions. Quand il a tenté, il était en mouvement ou il était à l'arrêt? Non, il était en mouvement. Ah, okay. Il est venu. Okay, tu sais, les petits ponts où tu mets juste ton petit extérieur, ça passe. Ok. Parce que tu sais que c'est deux manières de défendre différentes. Ouais. Hein, c'est chaud. Hein. J'ai aujourd'hui, là, ça va pas passer. Aujourd'hui. En tout cas, si le ballon il passe, toi tu vas rester là sur place. Ah, incroyable. Eh, le tank est arrêté hein, pour l'instant avec un joueur montpelliérain blessé. Bah, j'en profite pour poser une question au chat. Je tourne une vidéo normalement avec Dembouz et Colo bientôt. Ah, bien. Une petite interview à la cool. Donc si vous aviez des questions à lui poser, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Vraiment, j'écoute tout. Trippi, tu poserais quoi comme question? Qu'est-ce que tu poserais la question? À Dembélé et Colo. Comment il fait pour tout le temps dribbler comme ça? Ah ouais. Alors que tout le monde voit les vidéos? Alors que tout le monde sait? Tout le temps. Franchement, en fait, j'ai envie de lui poser la question. C'est vrai que c'est intéressant.
C'est en fait, c'est ce, en fait, moi j'appelle ça ce dribble en rupture. C'est-à-dire que même ses formes de frappe là, c'est au dernier moment. C'est-à-dire qu'il est lancé. Exactement ça. Il enchaîne en fait, sur ça. Il te met la conviction dans ton cerveau que c'est une passe, que c'est une frappe. Et au moment où t'es convaincu, oh, c'est mort. Ça y est, il a fermé. Moi, peut-être ce serait quelque chose comme quel joueur l'ont inspiré dans ses dribbles. Parce que forcément, pour faire des dribbles, tu les sors pas de nulle part. Mais l'essentiel de ces. Kylian, faut aller, Kylian, faut aller devant le but. Oh, ouais, Randal Kolo Muani. Ah non, quoi, t'es là, il est ouais, pour il a extra ouais, premier. Non, je t'ai dit, il est en mission. Il est plus pour quelque chose. Ce mec-là, il a le M de Babidi sur le front. Corner pour le Paris Saint-Germain. Il est pour quelque chose. Mais ouais, je pense que tout le monde est quelque part inspiré par des dribbleurs, forcément. Mais Dembélé, j'avoue, dans le paysage footballistique ou même dans l'histoire, je vois pas. Non, même dans les mangas qu'on a pu regarder, que ce soit Olivier Tom, École des Champions, ouais, c'est vrai. Même Blue Lock qui est sorti, il n'y a pas de joueurs qui ont. Non. Il n'y a pas ces joueurs, ces dribbleurs. Non, tout le monde a cet inspi là. Mais Dembélé, j'avoue, en fait, j'arrive à anticiper la réponse, tu vois. J'ai l'impression de savoir ce qu'il va me dire. Je m'attends à ce qu'ils me disent, bah écoute, moi je dribble à l'instinct. Parce qu'en vrai, si tu regardes bien, à part des formes de corps et de crochet, il n'y a rien d'autre. Hein. Ouais, mais le problème, c'est ils sont tellement bien réalisés. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils regardent la position. Parce que t'as des joueurs qui dribblent. Ah oui, oui. En fait, ils s'en foutent, tu vois. C'est-à-dire, ils viennent, ils font son passement, il l'a vu. Ah, il a dit aujourd'hui, il faut jamais. Mais en fait, ils dribblent par rapport au défenseur. Exactement. Dès que le défenseur va à gauche, bon, toi, voilà, tes appuis, je vais les mettre ici. C'est un vrai point, gros. C'est tac-tac qui va les mettre ici. Pour moi, c'est ça le dribble. Je te dis comment le mec en face de moi défend. Et c'est comme ça qu'il est. Premier poteau de Kang In-Li repoussé par la défense Montpellier-Rennes. Au passage, il y a eu un changement avec la sortie de Silla, remplacé par Théo Saint-Luce. Oh là là. Mais la vitesse des passements de jambes de Kang In-Li, là, je suis stupéfait. Hein. Nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Bon, faut la monter quand même. Faut monter le ballon. Oh, on a des joueurs grande taille quand même, de tête un peu, tu vois. Je vois des Colos, des Skriniar, des. Et une combinaison qui s'installe. Pourtant, sur corner, c'est pas le domaine dans lequel on marque le plus. C'est pas le truc qu'on marque le plus. On a eu une époque avec Thiago Silva. Avec, on a eu une époque. Ouais. La combinaison. Où c'était à chaque fois des décès qui marquaient. Oh là là, Dembouz. C'est bon, tout va bien. Warren Zaïre-Emery avec le ballon. Le centre, il est un peu. Dévié, malheureusement. Ouh, l'engagement, j'aime bien. Et la balle qui va revenir dans les pieds montpelliérains. Petite faute de Skriniar, mais ça joue. Ah, dommage. Récupération de Manuel Ugarte. Bien on s'en sort bien là parce qu'il y avait un. Ça, Warren. Heureusement que la passe n'était pas assez appuyée. Hein. Ça joue. Il y a Wilfried qui te demande des axes de progression pour être aussi beau que toi. Aïe. Ah, Wilfried, c'est boire beaucoup d'eau surtout. C'est le secret. Aïe. Non, t'inquiète. Mais même quand tu crois qu'il a raté, il n'a pas raté. Ousmane Dembélé, Avec Kolo Muani, Dembélé a frappé. Ah, il se passe trop après derrière. Il a tenté le petit pont, ça revient. Merci. Kolo Muani. Oh, monsieur l'arbitre. Oui. Il est poussé. Vas-y, monsieur Piquet là. Monsieur l'arbitre. Ouais, c'est chaud aussi. Monsieur l'arbitre. Et l'autre derrière qui en rajoute, un joueur montpelliérain. Monsieur Piquet là. Skriniar, merci pour la sécurité. Donnarumma la passe. Oui, gamin, bien fermé. C'est facile le football. Allez, vas-y, envoie-le. Donne. Merci. Allez, Kang In-Li. Ah, mais là, la faute sur Kolo Muani, c'est n'importe quoi par contre. Surtout qu'ils étaient deux en plus. Il l'a poussé dans le dos. Allez, Mbappé. Face à Sako. Tu sais que Mbappé, je pense, quand tu défends sur lui à la fin, tes cuisses elles brûlent. Parce que c'est le changement de direction. T'es cuit. Je me dis, c'est Dembélé. Allez, cap. Dembélé, il est passé. Ça revient sur Achraf Hakimi. Et encore, je pense qu'il voulait recrocheter, mais il avait poussé un chouïa. Peut-être un chouïa un peu trop. Avec Nordi Moukiele, on prend son temps côté parisien. Ouais, on est haut, ça c'est bien aussi. On se crame pas, les gars, on mène. 23ème minute. C'est ça, on est dans le camp à Montpellier. Pour l'instant, on fait tourner ce ballon de gauche à droite. Et on va repartir avec Ousmane Dembélé qui est un des joueurs les plus recherchés dans ce début de match. Ouais, franchement, la différence, elle vient de son côté à chaque fois. Achraf Hakimi. Pour moi, il aurait dû aller au bout de son premier geste. Il aurait dû aller de l'autre côté même. Ouais. Mais c'est tout de suite récupéré. Ouais, pousse-le. Ah, la relance. Voilà, bien joué ça. Petite faute très tactique. Hein. Ça, c'est des fautes intelligentes, tu vois. Tu prends pas de carton, tout le monde se replace. Chercher d'autres c'est des fautes comme ça que vous devez apprendre à faire en école de football, les gars. C'est vrai qu'on n'apprend pas à faire des fautes en école non, de football. Non, des fautes intelligentes. Quand tu joues contre les Italiens, les Portugais. Non, eux, ils apprennent à faire des fautes tout court. En jeune, ça soit même en U11 et tout, ils le direct. Tu penses que c'est dans leur culture du football carrément ouais. Parce que techniquement, ça fait partie du jeu, hein, même si ça sonne un peu. Mais tu vois, c'est. Demain, ça te permet de sauver un match à élimination directe en LDC, t'es content. Hein. Bah, tu vois, on a joué contre Porto pour les matchs de classement. Ouais.
C'était qui le coach de Porto à cette époque? Oh, attention, non, l'action, c'est les Rennes contre Porto, la reprise qui sera manquée heureusement. Là, sur la Joinville Cup, on a joué contre Porto en foot à 8. Ouais, avec et en fait, t'as des systèmes de jeu, tu vois, nous on joue en 2-4-1. Ouais. Et Porto, ils jouent en 3-3-1. Devine l'attaquant, il était où? L'attaquant, il a campé. En 3-3-1? Ouais, il s'est mis en fait. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu. En fait, il y a un hors-jeu, mais ça à partir des 13 mètres. C'est-à-dire qu'il a campé, c'est-à-dire qu'il s'est fait un peu oublier comme un magicien. On prend un but comme ça. On est tous vers l'avant, long ballon, le gars se retrouve, lucarne après. Ah ouais, on oublie. C'est un autre règlement. Attends, je vais lire les chats un peu là, on va voir qu'est-ce que. Lis le chat, fais-toi plaisir. Sur Twitch. C'est le chat Twitch que j'ai mis là. Faites-moi plaisir. T'es là, Arsène. Oui, il est là, Arsène, les gars. Vous le voyez, qu'est-ce qu'il est beau. De côté. Dembélé avec Colomani. De côté. Oui, allez. Il y a de l'espace là pour Ousmane Dembélé. Fume le gamin. Ah, oui. Sur le côté droit, il va venir provoquer Dembélé. Accélération, le tir. Oh là là. Il sera stoppé par le compte. Il l'a tué Coudrin. Il lui a mis un Coudrin. On savait. Tu vois, quand il a eu la première poussée de balle, on a dit, frérot, il a mis un de ses peu importe qu'il aille à droite ou à gauche, tu ne l'auras pas. Non, là, il lui a mis un de ses coudrins, là. Et le corner pour les Parisiens. Non, c'est vrai que l'accélération de Dembélé, elle a fait une vraie différence. Non, je pense qu'il est énervé. Ouais, franchement, incroyable. Dembouz, je suis... Il est calme, le chat, aujourd'hui, là. Faut se réveiller un petit peu, les amis, sur le live. Je pense qu'ils sont impressionnés par Dembouz aussi, là. Ils sont devant le match, là, ils en peuvent plus. Alors que... C'est qui, ça? Il y a un soin qui va arriver, non? Même si les arbitres ils s'y mettent aussi. Ah non. Changement de. En remplacement de. Drapeau. Drapeau d'enjeu. Tu sais que j'aurais trop peur, moi, de faire ce qu'il vient de faire, ce mec-là. T'es là, tu rentres, tu glisses. Parce que tout s'arrête, tu vois. On se dit, qu'est-ce que tu fais? Il y a vraiment tout le monde qui te regarde et d'un coup. Tu glisses, tout le monde rigole. Ah, vas-y, faut tirer. Voilà, ça c'est bien tiré, ça. Oh, mais parce que t'as tiré. C'était bien tiré. On a raté le cadre de quelques centimètres. Oh, le pied gauche fouetté. Du premier poteau, les gars. Ah, il a mis un corner fouetté, là. Corner fouetté, premier poteau. Tête de Colomoigny déviée par la défense. Incroyable. Mais le corner était super bien tiré. Ensuite, c'est revenu. Alors, à l'entrée de surface, Mbappé sans contrôle qui a tenté sa chance. Ça vient passer à quelques centimètres du poteau droit de Benjamin Lecomte. Et 6 mètres pour Montpellier. Vous serez à Milan, vous, semaine prochaine? Peut-être, maybe. Trippi, tu seras à Milan? Alors là, j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi. On sera là. On sera à Boulogne. Vous avez déjà été à San Siro ou... Non, jamais. Non. C'est tout que là, gros match hein, quand même. Ah si, j'y étais. J'ai visité une fois. C'est vrai, t'as kiffé? Ouais, mais j'étais jeune. J'étais avec le PSG. On avait fait un tournoi en Italie. Ouais. Et on a eu la chance de visiter la cathédrale déjà. Ah, et bah après oui. San Siro. El Duomo? Ouais, la grande cathédrale là. C'est le Duomo, je crois, non? Si, c'est le Duomo, exactement. Qui a fait faute? Tu t'es pas croisé, toi, à Milan? Non, jamais. Si, j'ai l'impression que je suis allé à Milan une fois, mais trop je crois d'endroits pas. Dans le ouais, monde. C'est vrai. C'est vrai qu'avec Trafi, on s'est croisé à beaucoup d'événements. D'ailleurs, petite anecdote, on a fait un tournoi au Parc des Princes. C'était cet été. Ah oui, le fameux tournoi qu'on a perdu en finale. Ah là 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 là, c'était incroyable. On a fait un tournoi avec Trafi cet été au Parc des Princes. C'était un tournoi partenaire, voilà, sur la pelouse du parc. Exactement. Et en gros. Quand on est arrivé à ce tournoi-là, on était KO de chez KO parce qu'on était parti à la finale de Ligue des Champions. On revenait de Turquie. Ah oui, belle passe mon ami. Kanginli. On revient de Turquie ensemble et le vol est retardé de 8 heures. Oh, il est horrible ce vol retour. Il y en a eu l'avion à 4h30 du matin pour avoir un tournoi à 9h du matin au Parc des Princes. Mec, on a atterri en France, on est venu direct au parc pour jouer. Avec nos valises et tout, c'était abusé. Ah, c'était n'importe quoi. Mais je me rappelle que mon équipe a fini en finale alors qu'on était vu comme vraiment les... Tu vois, en dessous des outsiders, il y a quoi? Il me faut un autre terme là, carrément. Là. Outsider. Ah ouais, vraiment, on était l'équipe la moins donnée gagnante sur le papier. Mais au final, les gars... Alors, François qui nous dit bientôt un but de Colo, pourquoi pas, on va espérer. Oh, allez, Kanginli, côté gauche, le passement de jambe. Le crochet sous la jambe. Mais tu sais que Kanginli, de base, je l'imaginais pas aussi technique. Genre, ce mec-là est... Oh là là, quel passe et quel contrôle de Kylian Mbappé. Il n'est pas venu pour rien, quoi, on a dit. Le petit pont ou pas en plus, non? Waouh. Non, mais... c'était un crochet, mais il y a une fente de corps avant qui l'a détruit. Et pour revenir à Kanginli, en fait, les. Là-bas, mec, c'est le niveau technique de ce joueur me choque. De toute façon, quand tu regardes même les la méthodologie là-bas en Asie, que ce soit Japon, Corée et tout, le ballon il colle très. Au pied? Ouais. T'as déjà été là-bas et tout? Non, en fait, quand tu regardes leur match aussi, tu vois. Ouais. J'ai déjà regardé aussi un match des U19 féminines face au Japon. Ok. Je peux te dire que. Ouais, c'est futsal, quoi. Ouais, j'ai capté. En fait, c'est.
futsal non, parce que futsal, le ballon il colle pas comme il colle comme eux ils le font. Ouais, futsal, c'est tu fais rouler la balle par terre. C'est beaucoup. Franchement, le ballon il est très arrêté au futsal. C'est beaucoup on joue de la semelle. Eux, même sur son but, tu vois, son contrôle, le ballon il part pas dans tous les sens. Le ballon, bam, il s'arrête, il est collé après il enchaîne direct. Je repense à un but d'équipe japonaise là en CDM et je te jure que c'est vrai. Le ballon il colle. Ouais, c'est vrai qu'il même dans les dribbles et tout. De fou. De fou. Ashraf, merci. Merci pour les travaux, Ashraf. Tu penses que c'est dedans ou pas ? Ashraf, merci. Ah, de l'angle où je suis là, les gars, moi je la vois bien se loger barre rentrante. Allez, Ashraf Hakimi ou Kang In-Lin, c'est Ashraf Hakimi. Tiré au centre, malheureusement. Un peu trop axial ce coup franc de la part. Ashraf axial, il manquait peut-être. Oh là là, direct. J'aurais aimé un peu plus de. Ouais, mais direct, mais Manolo Garté, hein, t'inquiète pas. Manuele, ça, c'est les ballons qu'il déteste. C'est ça que j'aimais pas quand je jouais. Quand t'es là, il y a corner, il y a coup de pied arrêté, toi t'es derrière. Et le ballon, il arrive comme ça du ciel. Tu te dis comment je l'étudie. Il y a un joueur sur moi. Est-ce que je la laisse rebondir ou est-ce que je la coupe? Là, t'es cul. C'est... Moi, je trouve ce poste de défenseur, il est... la lecture des trajectoires des ballons, c'est le truc le plus dur pour moi. Benjamin Lecomte qui va relancer. Ouais. Le bloc était bien monté du côté du PSG. Il s'y attendait pas trop, je pense. Garté qui a lancé un peu trop vite. Là, la perte de balle parisienne. Ça va attaquer côté gauche. Hakimi qui va se faire devancer ici. Attention, Manolo Garté qui sera le deuxième sur ce ballon. Ça va. On défend les uns pour les autres ici, les gars. Il y en a un qui se fait passer, c'est pas grave. Et ensuite, on est reparti à droite sur le côté avec le big vraiment Dembouz. Où on passe le plus hein, pour l'instant. On passe beaucoup du côté de Dembélé. C'est vrai. C'est vrai que après peut-être ça combine un peu moins là côté gauche. C'est peut-être un choix. Compliqué. Hein. Ouais, oh là là, Kang In-Lin qui s'amuse avec le ballon. Eh bah oui. Il y a Folha Issakou qui fait un marquage individuel sur Mbappé. Et encore, et il est soutenu hein, au cas où. Hein. Mbappé qui a décroché, hein, qui a réussi à s'extirper un petit peu là. Je t'ai dit, le Falaï là, il a un seul ordre. Non, Falaï est coité là, les deux ils savent. Il en a pas. Dembélé, cas de l'espace justement pour chercher Mbappé. Oh oui. Mbappé en profondeur. T'as vu, il a carrément changé de côté. Hein. Ouais, Kylian Mbappé, la talonnade pour Hakimi. Tu lui redonnes. On va prendre son temps côté parisien. Merci, le gentil. Ah, ils sont précipités. Mais c'est récupéré derrière. Le bon placement des parisiens, on peut repartir. Marquinhos très très haut sur le terrain. De toute façon, le jeu se passe à 90% dans cette surface, les gars. Enfin, dans cette moitié de terrain. C'est pas faux. Allez, avec Hakimi, la transmission qui va passer tout de même. Merci. Allez, les gars, on sort de là, les gars. Marquinhos. La déviation de Dembélé. Peut-être un peu plus vertical. Et le pressing, la récupération très très haute, une fois de plus, du Paris Saint-Germain. Mbappé qui prend de la vitesse. Ah non, les gars, vous abusez. Il s'attendait peut-être pas à la re-remise. La perte de balle et Lecomte qui va devoir dégager. Tu vois, tout de suite, long ballon, tu vois. Ça rend un peu absent le jeu des milieux de à chaque fois. Ah, ils savent qu'il y a des coups à jouer après en profondeur parfois, donc faire attention là-dessus. Tant qu'on a la bonne structure à 3, c'est bon. Il y a Mukiele qui revient bien dans l'axe à chaque fois. Ouais. Bon, les gars, on veut des occasions quand même, s'il vous plaît. Voilà, vas-y. Vas-y, on peut tirer. Ah, là, t'as l'espace Dembélé, oui. Dembélé, entrée de surface sur le côté. Le second entrée pour Mbappé. Il a tenté le contrôle orienté. Il aurait dû frapper. Tu sais qu'il aurait pu la laisser passer encore une fois. Mais Sakho qui avait anticipé ce geste technique. Sinon, Pedro, ils envoient une touche. Ouais, pied et droit. Bon, mais en fait, il a vu Folha Issakou, ouais, ça y est. Ouais. Mais c'était bien tenté. Je pense que le ballon un peu trop collé là sur le coup. Mais pour moi, c'était ce contrôle orienté, il passe. Waouh. Regarde à quel point la balle reste dans les pieds à chaque fois de. Non, regarde sur Insta, suivez des. Il y a un gars qui s'appelle Dribble Designer là. Ouais, je le connais très bien. Voilà, t'as vu quand lui. Très bien lui. Attends. Tu vois, c'est beaucoup. En fait, tu sais, c'est quoi qui est ouf chez eux? C'est qu'ils ont des conduites de balles en double contact. Ouais. Tu vois. Tac, tac. Et en fait, le ballon, et le ballon, il colle de fou. De fou, genre, il bouge pas, tu vois. Hakimi qui a pris de l'espace, là qui va retrouver dans l'axe, Kylian Mbappé. Et tu sais de quoi c'est inspiré, tu vas pas me croire. Du Cécy Foot. Ouais. Tu vois comment ils jouent les mecs du Cécy Foot. Je vois. C'est inspiré du Cécy Foot. J'ai essayé le Cécy Foot. Tu dis si des mecs sans aucune vue arrivent à le faire très une bon conduite pressing de balle. De Ougarté qui va chercher en centre. Gourmand. Devancé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si des mecs aveugles arrivent à conduire un ballon, c'est qu'il y a peut-être un truc à apprendre de ça, les gars. Nous qui avons. La chance d'avoir la attention victoire à la profondeur. C'est Skriniar, les gars. C'est Skriniar. La frappe captée tranquillement par Donnarumma. T'as Skriniar et Donnarumma derrière. Et t'es tout seul. Je peux te dire que... C'est si foot. Ouais, tu vois comment ils conduisent leur ballon au Cécy Foot. Ouais, le ballon très proche. Bah, c'est exactement ça. Eux, le ballon, quand je te dis, il est collé, c'est collé. J'essaie. Tu dois répondre au chat YouTube. Allez, dis-moi. T'es prêt? Je suis prêt à répondre au chat YouTube. Les gars, j'ai pas fait LV3 coréen, les gars. Je me suis arrêté à l'espagnol. Ah là, il n'y a que des messages coréens sur le chat YouTube. Attends, mais c'est celui du PSG... YouTube. Mais gros, tu me croyais que c'était PSG Corée?
Ah bah non. Sur la chaîne YouTube officielle du PSG, il y a beaucoup de Coréens sur le live. Putain, mais. Il y a un peu trop là. Il n'y a pas une IA là qui peut traduire automatiquement ce qu'on dit en coréen? Non. Pas encore? Ah si, tu peux directement sur le. On peut faire ça pour voir ce qu'il. Enfin, pas nous, mais. Non, mais je veux dire nos propos à nous, tu vois. Ça, peut-être ça existe déjà. Hein. Sûrement. Mais là, on peut traduire rapidement. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. T'as dû appuyer au moins 3, 4, 5 fois, c'est trop long, mec. Et puis je crois que le réseau bug un peu, donc. Ouais. Compliqué. Quand le réseau marche, ça va. On va voir Enzo Embry, le premier joueur à presser ici. Ah, ça joue en recul. Hein, côté en coréen, Anali qui disait que Dembélé n'a pas de chance avec le but. Ah, pas tort. Pas complètement tort. Mais je trouve qu'il y a peut-être une trop grosse attente autour de lui au niveau. En fait, il prend tel qu'il est. Ouais, il est là. Comme techniquement, ça. Moi, Dembélé, j'attends pas de lui de mettre 3 buts par match. Hein. Là, sur le but, il aura. Il a fait ce qu'il devait faire. Il aura une passe D, mais c'est aussi bien de faire une passe D qu'un but. Exactement. Dembélé, c'est le joueur qui emmène le plus de tirs. Exactement. C'est je suis sur le côté, je fixe. Les gars, voilà l'offrande, qu'est-ce que vous en faites? Donc t'imagines si tout le monde avait mis les offrandes, il serait à 10 passes déjà. Mais de fou! Il serait à 10 passes, facile. Là, c'est ce mythe, Non, mais il faut le prendre tel quel. Il est comme ça, il arrive. Après, c'est un jeu qui a beaucoup de déchets parce qu'il propose énormément. C'est vrai, mais ça va ensemble. Non, mais ça va ensemble. Si tu dois dribbler 100 fois, c'est sûr que t'as plus de ballons perdus qu'un mec qui dribble. Et puis on en parle à chaque fois avec Trippier, c'est que ça passe beaucoup côté droit en plus, donc c'est une preuve. Le jeu passe beaucoup en côté droit. Après c'est le job, regarde. Ousmane Dembélé en côté. Dembélé les accélérations, Dembélé les esquios. On a passé le centre de poteau. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La dernière... C'est ça qui manque. La dernière, tu vois, la dernière touche, le dernier mouvement. En fait, ce qui est bien, c'est en tout cas, il va se donner. Et à la 60e, 70e, merci pour le devoir rendu. Vous avez vu comment on parle pas Dembélé comme un mec rapide? Souvent tu vas dire ouais les dribbles et non, tout. Non, il est trop rapide. Mais il va trop vite, wesh. À 89 en vitesse. Gros, j'ai commencé à jouer à FIFA cette année là. Mais je suis toujours pas meilleur que mon petit frère, donc pour l'instant je stream pas FIFA. Enfin FC. Oh, donc, attention avec Adams justement, entrée de surface là. Ah, il a voulu faire sa banane. Marquinhos qui va pouvoir se relancer avec. Comment il s'appelle Zemri. Le jet, le geste qu'il a voulu tenter? Il a voulu faire la scoop turn. Scoop turn. Ah, c'est comme ça. Non, parce que maintenant c'est les jeux vidéo qui décident du nom des gestes. D'accord. C'est plus les humains. Zaire Emery qui a de l'espace ici pour trouver Mbappé. Il a pas vu Kolo là-bas. Ouais. Il a pas vu. Mbappé, on va partir à gauche vers Kangin Lee. Ok, ça va combiner ou pas? Mbappé, oui, ça combine vite. Ça combine dans l'axe. Warren Zaire Emery. On sait que ça allait combiner sur le côté. Ça s'est vite refermé. Qui a pris son temps et finalement on va repartir à côté droit avec Achraf Hakimi qui lui aussi va venir provoquer les passements de jambes du latéral marocain. Allez, rapidement. Chop, chop. Oh oui, aïe. Kouyaté sera le premier sur ce ballon. Je connais la fin de j'attaque mon ballon et en vérité ça passe. Oh mais des bouclés les gars. Et Falaï. Paf. Voilà. Qui es-tu quand... Oui gamin. Et pas sorti de Zakayan. Le centre il est allez, bon. Tiens. Oh là là, c'est repoussé par la défense. Ah oui, et oui la petite faute, mais c'est pas grave, Et Savanier qui va pas relancer. Kangini les gars, c'est incroyable, match après match, il monte de plus en plus dans. C'est un joueur qui a beaucoup d'envie également sur le terrain, c'est ça qu'on aime voir. Il a beaucoup à donner, tu vois. Bah, ils ont cette mentalité, hein. Ils lâchent rien. On ne triche pas, hein. On va pas se mentir, nous, les supporters parisiens, ce qu'on aime le plus, c'est les joueurs qui mouillent le maillot à 100%. Ouais, et en plus, les joueurs qui sont techniques. Et là, on a toujours eu des techniciens au club, tu vois. Kangin Lee, il rejoint un peu ces deux qualités-là. Et en plus, il marque. Donc forcément, c'est un joueur qui peut vite être un des chouchous du parc. Bah, pour moi, c'est un mec qui sera vu comme un... Indiscutable à ce rythme, hein, au bout d'un moment. Il est KO quoi. Non, je t'ai dit, pour moi, c'est juste le fait que le jeu il passe pas par l'axe depuis le début, des deux côtés, tu vois. C'est soit Montpellier, on envoie des longs ballons, soit on envoie sur Dembouz et il fixe. Donc ça fait que les milieux ils sont moins sollicités, tu vois. Ah, Dembouz, on a Pochettino 5 sur le chat qui nous dit également que Dembouz, en plus d'apporter offensivement, il est rigoureux sur le replacement, c'est vrai. C'est vrai, hein, il fait les efforts défensifs. Hakimi est monté tout à l'heure, on avait Dembélé qui avait pris son couloir droit et qui avait fait le travail défensivement pour annuler l'action Montpellier-Rennes. Et Montpellier, on dirait Strasbourg quand ils sont venus. De ouf. Mais d'ici, le maillot, je pense que je l'avais jamais vu. Hein. Ce bleu là. Montpellier-Rennes, moi non plus. Ça fait pas très Montpellier, on est habitué au bleu-orange. Bah de ouf, j'étais en mode, vous êtes sûr là, on joue pas. Allez, boum là-bas! Oui, gamin! Je crois qu'il t'a entendu carrément. Oui. Ah, et tu vois,
Allez. Non, quand il fait ça là. Oh là 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 là. Allez, Warren Zaïre-Emery dans la surface. Ah, il a voulu faire l'esquisse. Aïe 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 aïe. Ouais. C'est pas grave, Warren. On commence la fois d'après. La fois d'après, ça passe. Ah, c'est dommage. Il a même plus enchaîné une frappe là. Ouais, mais tu connais quand t'es en mode faut que je fasse la passe, faut que je tire, mais que les deux informations elles viennent en même temps dans ta tête. Fou. Marquinhos hein, qui est monté aux avant-postes ici. Mais attends, est-ce que tu peux me montrer la compo côté Montpellier-Rennes rapide? Avec Mbappé dans la surface, il y a beaucoup de joueurs parisiens dans la surface. Le centre, on cherche Hakimi également qui arrivait lancé. C'est contré, ça va revenir. De ce côté. Ballon. Allez encore. Il y a juste aussi là qui a été remplacé par le numéro 17, Saint-Luce. Ah, c'est Saint-Luce. Oh là là, mais le boulot qu'il a. Il y a un vrai boulot. Hein. Oh là là. C'est pour là ça que Sylla, il a esquivé le boulot. Ah, il est sorti blessé. Ah ouais, il s'est mis en arrêt. Il s'est mis en arrêt, maladie. Il s'est mis en arrêt direct. Oh là là, parce que le mec, franchement. Ah, le pauvre. Hein. Il va bientôt sortir aussi. Hein. Le pauvre, parce que quand même, en tant que défenseur. Ah, les mecs, pas trop dans l'axe comme ça. Oh, Montpellier. C'est ça, les récupérations. Montpellier. Qui va chercher Mbappé. Il y a beaucoup de joueurs hein, devant la surface. Ouais. Montpellier-Rennes. La gourmandise. Voilà Montreuil. Bien joué. Ah oui. Ah, la gourmandise. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Hein, il c'est va être fatigué, Saint-Luce. Mais ah après, ouais, Bradley mais Barcola frère, va rentrer. Il est et bon courage pour le round 2. Il est cuit. Parce que je me dis, frère, t'es latéral. Tu perds 4 duels sur 5. Et encore, si tu gagnes, c'est parce que Dembouze, il s'est peut-être un peu emmêlé les pinceaux, tu vois. Il y a eu zéro, genre stop net. Et on quand s'est tu dit, dis qu'il est fatigué, hop, Barcola qui va rentrer. Bon courage. Et c'est pas mieux. Wadley. Oh purée, non, franchement. C'est une supposition, on sait pas s'il va rentrer, mais voilà. C'est ça le problème. Je trouve les ailiers dans le football aujourd'hui, ils ont pris tellement de niveau qu'ils font passer les latéraux pour des joueurs de. Bancal. Ouais, de pas assez bon niveau. Carrément, j'avais ce débat là il y a pas longtemps. Je disais, mais mec, sur la scène. Monsieur l'arbitre. Ah, monsieur l'arbitre. Non, moi, je n'aime pas ça, moi. Faut les siffler là. Oh, ça m'énerve, voilà. Allez. Ouais, profondeur. Allez, Kangin. Kangin Lee, auteur d'une super. Tu l'as vu. Je sais que tu l'as vu. Aïe. C'est pas grave. Il est entré de surface, dans la surface. Le centre, il cherchait Mbappé, c'est contré. Corner pour le Paris Saint-Germain. Je sais qu'il l'avait vu. Je sais. Non mais les gars, Kangin Lee, il a aussi cette qualité de passe là, elle envoie. Faut la souligner là, les transversales qu'il envoie depuis tout à l'heure, gros, c'est un chirurgien le mec hein. Vérifie s'il a pas un doctorat en médecine. Bon, c'est abusé. C'est trop précis. Le corner qui sera tiré par Achraf Hakimi. Devant la tribune Paris et la tribune Auteuil. Non, finalement ça va être Kangin Lee. Ouais. Est-ce qu'on va nous remettre une première poteau déviation? Un but pour l'instant pour Kangin Lee. Est-ce qu'il aura une passe D en plus? Ça merci, va être tiré au point de pénalty. C'est contré, ça remonte. C'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est pas terminé, touche pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi il a voulu mettre à l'intérieur du pied là? Non, à deux reprises, c'est Tess là. C'est Colomboigny de la tête encore? Non, c'est Marquis qui était de la tête. T'es sûr? Ouais, c'était Marquis qui était au duel. Là, il envoie une patate là. Ouais, Mbappé derrière qui a dévissé le ballon qui était touché de la tête par un Parisien, ensuite a été contré et c'est revenu sur Mbappé encore une fois. Mbappé, c'est un aimant à ballon à la surface. Mais t'as vu qu'il est trop quadrillé là, Mbappé. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde sur lui. Ça laisse plus de liberté aux autres, c'est vrai. Mais il a fallu équater sur son. Ils l'ont quadrillé, ils ne veulent pas le laisser jouer. Non, ils veulent pas. Dos au but, face au but, c'est ballon un, arrêté. C'est un échec s'il est le. Manuel Ugarte qui se balade avec ce ballon. Regarde, tu vois là où il est, il y a trois joueurs autour de lui. Nordi Mukiele avec Mbappé face à deux joueurs justement. Après, c'est ouf. Contre deux joueurs il sait faire. C'est ouf. Ils ont dit les gars on est prêt à sacrifier deux de joueurs fou. pour être sûr que ce mec là il touche pas un ballon. Mais pour moi c'est le pire truc à faire hein. Quand ah, t'as une équipe comme le PSG. Plein d'autres ah, oui, parce que tous les mecs qui est à côté c'est frère. Bah, on le voit parce que justement Dembélé est rarement au marquage. De fou. Il y a rarement un marquage sur Dembélé, il a toujours de l'espace, tu vois. Il a toujours un peu de place pour aller dribbler Dembélé. Et à recevoir 2-3 transversales de 50 mètres. Ah, t'es gourmand mon ami. La frappe un peu forcée, la frappe Hakimi, ça va revenir. Allez, sur vas-y, là t'as un contre un mon gamin. C'est un pantalon à la hein. Blessé. En un contre un, il pousse un peu. Ça passe difficilement, mais. Ça reste dans les. Oh. Ça arrive, mais Mukiele. Mukiele dans son match. Oh non. C'est l'arbitre. Non, y'a pas. Qu'est-ce que c'est, amigo? Non, là, monsieur l'arbitre, je suis pas d'accord. Il revient à une faute, je prends antérieur, hein, si je me trompe pas. Non, il revient sur quoi? C'est Mbappé qui perd le ballon. Ouais, je sais pas. Il revient sur quoi? Et ici, vraiment, la faute, là. Oh, Garté.
Tchao, mais c'est la bise. Manu, il va être énervé là. Oh, Ougarté, tchao, quel petit pont que t'as pris. Ah non, mais c'est la bise. Là, je suis pas d'accord. Hein. Il a sifflé quoi? Aucune idée. Pour moi, il siffle la récupération de Mukiele qui, pour moi, était. Quel engagement. Était clean, hein. Il n'y avait rien à dire pour moi. Ah, c'est très propre. Hein. Nordi qui est bien dans son match. Hein. Pas forcément à son poste. Non, habituel, mais regarde, mec. Nordi, depuis le début, là. Carton jaune, là. Il prend le ballon avant qu'elle sorte. Oh, des Arcaillons, il faut rester derrière. 45ème minute, on va avoir le temps additionnel de cette rencontre qui des sera. Des Arcaillons, je vais rien dire. Pour hein, cette première mi-temps. Il y a un gamin, il est parti de chez toi. De 3 minutes. Un bon 3 minutes, là. Hein. But avant la mi-temps ou pas? Allez, c'est parti, on relance des pronoms un petit peu, là. But avant la mi-temps, le chat, vous avez le droit de participer. Allez, moi, je pars sur un oui. Je prends le risque. Tu pars sur un oui? Tout à l'heure, quand j'ai dit des buts, il y a eu un but. Ouais, donc, je pars sur un oui. Ça dépend qui touche le ballon. Ousmane Dembélé. Là, c'est Dembouz. Hein. Ah, ça passe ça quand même revenir. Ou pas? Warren Zahemri, les Parisiens au pressing qui récupèrent très très haut. Le ballon dans cette ne peut pas sortir. C'est abusé. C'est le confinement là. J'aimerais savoir la ligne de récupération du ballon parce qu'elle est très haute. Ouais, dans elle est archi haute, gros. Ça sort pas. Autant dans les 10 premières minutes, on avait une équipe de Montpellier qui arrivait un peu à trouver la profondeur, non, qui arrivait un peu à mettre. Mais c'est horrible parce qu'ils ne peuvent même pas jouer les contres parce que derrière, tu as les deux agents de sécu qui ferment tout. Manuel Ugarte qui a un peu d'espace avec Mbappé. Non, tu peux Dembélé, t'inquiète, t'es tout seul. Kylian Mbappé. Bien joué, le pied gauche. Côté gauche. Oh, il envoie des sacs. Le triple centre. Oh là là. Heureusement. Il a envoyé un cordeau. Ouais. Parce que là, c'était plat du pied Dembélé, petit filet, but. Hein. Il a envoyé un cordeau. La touche, ça revient. Dembélé en retrait. Warren Zahemri. Non, reste là-bas. Voilà, reste là-bas. Non, reste non, là-bas. Il faut quand même quelqu'un pour faire le centre. C'est détourné par le compte. Oh là, ça a failli revenir. Et ça va s'arrêter. Et attention au contre, attention au contre du côté. C'est un 3 contre 2, ça passe pas. C'est un 3 contre 2, ça passe ça pas. Va être compliqué. Hein. Il est tiré là. Oh là là, ouh là 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 là. Deux fois. Non, ça c'est de la réussite. Oh, non. Ça c'est deux fois. Hors jeu. Ah, monsieur Larbide, monsieur Larbide. Positionnement de Skriniar. Félicité par Marquinhos. T'es sûr que c'est le même là? Non, là c'est Kanguini qui a pris le petit pont. Oui, c'est le même joueur qu'Ami. Tout à l'heure t'as dit c'est Ougarté. Non, mais c'est le même joueur qu'Ami. C'est le même gars. Mais crois-moi, je suis un expert. Celui-là, il a plus de réussite que de volonté. Vraiment plus de réussite que de volonté. C'était le petit pont du désespoir. Ouais, c'était aujourd'hui là, en fait, j'essaye. Il a dit fallait que je crochette pour pas que ça sorte. Et au même moment, il a mis le pied, tu vois. Mais par contre, celui de tout à l'heure, on peut rien dire. Voilà, bien okay, ça. Mais c'est après jusqu'à la fin, les gars. Vous êtes sûr c'est on a un match mardi là ou on est vendredi? Oui, mon petit. Ah, dommage. Mardi prochain. C'est vrai, mais tu connais, il y a les gamins. Professionnels te le diront. Là, j'ai oui. Ah, la récupération. Voilà. Là, il peut avoir but. On veut le but avant le mi-temps. Quand il y a quelqu'un, Mbappé. Oh Mbappé, Mbappé, putain. C'est concret. Mais qui es-tu vraiment, Kanguini? T'es tout sorti. Kanguinignon, j'ai envie de dire, les gars. Je suis désolé, faut vérifier là. Le gars est resté sur ses appuis. Le gars est resté sur ses appuis. Il boit du jus de Ronaldinho là, les gars. Je suis désolé. Hein. Le corner joyeux avec Hakimi, Kanguinignon. Et là. Ouais, on a trouvé ta kryptonite. Crochet de talonnade. Non, ok, les gars, regarde. Je le dis en live, c'est officiel, les gars. Kanguinignon, tu fais partie de mes cracks de cette année au parc. Un joueur à terre, au passage. Ouais, Skriniar. Oh là là. Faut manger, mon petit. Mais tu sais que c'est la deuxième fois, je trouve que leurs passes côté Montpellier, elles sont pas appuyées. Hein. Faut manger. C'est quoi? Envoyer le joueur à terre, au passage. Non, mais ils ont enlevé notre télé. Ah, ils ont enlevé. Mais c'est pas grave. Il lui a mis un de ses cassages. Waouh. Oh, je suis fan de joueur, les gars. C'est trop. Il a envoyé Kouaté au sol. C'est ouf. Pour l'instant. Il a envoyé Kouaté au sol. Mais sec. Kanguini sec. Il y a eu un petit contact. Il l'a envoyé au sol. Non, il vient du 93 en vrai. Kanguini, faut vérifier. Hein. L'autre, il venait de Montreuil. Incroyable. C'est le voisin de Nordi. En plus, il est tranquille en fait. Il n'est pas essoufflé. Non. Parce qu'ils ont une grosse VMA eux là. Ah, merci, monsieur l'arbitre. Et c'est la mi-temps de cette 11e journée entre le Paris Saint-Germain et Montpellier pour l'instant à la mi-temps. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, premier buteur. Kanguin Lee, le joueur coréen. C'est vrai, et si on partait sur vos favoris de cette première mi-temps, les gars? Là, votre top 3 là. Ah, je pense qu'il y a Dembélé, Kanguin Lee. Dembélé, ça passe. Normalement, on est tous censés être d'accord sur Dembélé, les mêmes. Dembélé, Kanguin Lee. Ouais. Et ensuite. Allez, je vais mettre un défenseur, je vais mettre Skriniar. Ouais, je suis d'accord. Ah, je t'avoue, je serais peut-être dit Mukiele. Mukiele, ouais. Merci les gars. Mukiele. J'avais oublié. Non, merci de m'avoir repris.
Non, parce que on n'a pas l'habitude de le voir démarrer forcément, mais là, le mec nous envoie un message. Donc on a dit Mukele, Dembélé et Kongili. Okay. Ah frère, Mukele, c'est 100% duel réussi pour moi. Hein. Ouais. C'est vrai, on n'a rien vu passer sur le côté droit. En plus de ça, ce n'est pas son poste. Il joue défenseur droit ou axe d'habitude. Il relance du pied gauche, le frérot, tu vois. Ah, très propre, franchement, la mi-temps de toute Mukele, l'équipe du Paris Saint-Germain. On a un bloc équipe qui a commencé peut-être les 5-10 premières minutes un peu timide. On a l'équipe de Montpellier qui est arrivée à se faire des actions. On va mettre ça sur le dos du froid, hein. Peut-être qu'il fait un peu échauffement. Frais, on va dire l'échauffement. Mais de la 10e à la 45e, on n'a plus vu cette équipe de Montpellier. Mais qu'on soit honnête, les gars, moi j'ai senti aucun danger côté Montpellierin. Genre, je veux dire, à aucun moment on a eu peur en se disant oh là c'est chaud, là on a un temps faible. Là, peut-être qu'il faut se réveiller. Non, les gars, tout le match s'est passé là, tu vois. Maintenant, tout le match va se passer ici. Je pense que ça n'a pas trop changé. Hein, après, ce qu'on veut, Trippier, on est d'accord, c'est un but le plus rapidement possible parce qu'on sait qu'il y a la Ligue des Champions mardi. Ouais. On veut des scores, on veut des actions. Après, mais ça va, on est quand même assez régalé, je trouve. Ouais, après, on connaît aussi la faiblesse du Paris Saint-Germain, c'est dans la profondeur. On est pris dans la profondeur, c'est vrai que Montpellier, ils ont quand même des attaquants qui vont vite. Ils ont essayé la profondeur. Ouais, donc faut juste faire attention. Et sur le coup, c'est vrai que Skriniar, là, il fait le taf. Voilà, faut juste faire attention à ça, mais sinon, c'est de continuer encore à jouer. On a Kanginli et Dembélé qui font du bien dans l'animation offensive parce qu'ils proposent tout le temps énormément de volume, ils proposent tout le temps et ils provoquent tout le temps. Mais tu vois que le jeu, il est très basé sur les duels, là. Très basé sur le duel parce que t'as Falaï Sako, t'as Saint-Luce de l'autre côté, t'as Kouaté aussi. Donc forcément Montpellier, on connaît aussi Zakarian qui aime bien aussi ce. C'est vrai qu'ils ont aiment bien voir ce duel là, ils ont des sacrés clients donc. Sacrés clients là. Donc c'est bien. Maintenant le PSG doit continuer parce qu'il n'y a que 1-0. C'est vrai qu'il n'y a qu'un 0 les gars. Trafi, ton petit avis sur notre setup ici au Parc des Princes, comment tu le trouves et comment on voit le match d'ici pour ceux qui nous connaissent? Franchement, pas un peu. Là on a une top vue sur le stade les gars, on peut rien rater. Ça veut dire on ne peut absolument rien louper. On a une super vue en 360, je pense qu'il manque juste les petits fours. Arsène, il va m'accueillir, il y aura des petits fours, des petits biscuits au final. Ah, j'aimerais bien. Et l'écran du replay qu'on avait avant ici. L'écran du replay. Après, ça va, ils nous ont mis le replay quand même sur certaines actions. Mais c'est vrai que là, tu nous cales juste ce petit écran de replay. Ce sera encore mieux. Ouais, non, en vrai, là, on est trop bien placés, les gars. Et je t'avoue, je m'attendais à ce qu'il fasse un peu plus froid. Comment tu sens cette deuxième mi-temps? Cette deuxième mi-temps, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de d'actions concrètes en gros. Hein, parce qu'on a beaucoup d'actions, oui, mais qui ne se concrétisent pas. Tu veux des tirs. Et il l'a dit tout à l'heure, Trippi, il y a 15-0, tu vois. Tu veux des tirs derrière. Ouais, je veux des tirs, je veux des actions, je veux me régaler, tu vois. Après, comme j'ai dit, en vrai, Kanginli et Dembouz, ils font bien le taf, tu vois. Franchement, ils nous régalent, genre on s'ennuie pas, tu vois. Parce que souvent, j'ai les week-ends, genre tout match confondu. Tu sais que dans un week-end, il n'y a pas 10 matchs sur 10 où tu vas. Mais là, en vrai, on est yam, tu vois. On est yam, domicile. Répète ton avis, toi, sur la projection de cette deuxième mi-temps. Comment ça va se passer? Non, comme je dis, c'est toujours continuer à provoquer, aller de l'avant, avoir ce bloc haut. Après, derrière, c'est défensivement toujours harceler, mettre la pression sur Montpellier pour les empêcher de pouvoir développer leur contre-attaque. Et derrière, faire attention à la profondeur parce que c'est là où on pêche un petit peu. Et aussi au coup de pied arrêté parce qu'on a pris quand même pas mal de buts sur coup de pied arrêté. Ça, donc c'est vrai que c'est seulement les deux points il faut être vigilant et avoir des émotions. C'est vrai que là il y a que 1-0, on aimerait avoir des barres, des poteaux, des dribbles encore plus. C'est pour ça qu'on vient au stade. Kylian aussi, j'ai envie qu'il nous emporte là sur une frappe là qui passe à côté comme ça. Donc ça réchauffe aussi le copoteuil là. Tu vois que c'est dur d'un point de vue Kylian Mbappé, tu vois. Quand tu pars, t'entames un match en sachant que le coach adverse, il a dû donner des consignes à trois joueurs en mode ce mec-là, dès qu'il respire, je veux que vous soyez autour de lui. C'est pour libérer ton jeu, c'est autre chose. Hein. Du coup, c'est pour ça qu'il est obligé de décrocher hyper bas pour toucher les ballons. Ouais, après c'est bien. Après, ça, comme tu l'as dit, ça permet d'avoir de la place pour d'autres joueurs. Pour Dembélé, là, il est beaucoup plus libre et beaucoup plus en. En 1 contre 1, comme Lili aussi, pareil, tu vois. C'est vrai. Maintenant, dans ses déplacements, quand ils changent de zone, quand ils dézonent, peut-être qu'on arrivera à le trouver. C'est là qu'il peut créer la confusion, d'accord. Alors, pour l'instant, donc 1-0 à la mi-temps, but de Kanginli dans cette première période. On va faire une petite pause de notre côté, vous retrouver ensemble pour cette seconde période du Paris Saint-Germain. Comme ça, on va se restaurer quelques petites secondes petit et on café. Repart de plus belle pour la seconde période. On se dit à tout de suite.
cette seconde période entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Pour l'instant, 1-0 à la mi-temps. Les hommes du Paris Saint-Germain amenés par un Kanginli buteur lors de cette première période. Maintenant, en deuxième période, on espère encore plus de buts pour se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Parce qu'on vous rappelle que mardi, c'est Ligue des Champions. Milan Paris Saint-Germain, un déplacement crucial pour les Parisiens. Très important. Ce genre de match, Trippi, toi qui as joué les matchs de Coupe d'Europe, tu as joué également les matchs d'avant Coupe d'Europe. Forcément, c'est important de se mettre à l'abri rapidement. Bah, c'est surtout avoir de la confiance pour le prochain match. Pour l'instant, 4 victoires d'affilée, c'est une bonne confiance. Ouais, peut-être ça va, on s'en après, sort bien. Ne pas avoir de blessures, d'avoir aussi des repères. Là, on voit Kanginli qui commence à revenir après sa blessure. C'est pour ça que je disais que la gestion des efforts est importante quand même. Moi, je suis plus en mode ça va, les gars, il y a du banc, tranquille, ouais, voilà, des efforts inutiles, pas la peine, tu vois. Je vous propose de redire un petit mot cette première période bien réussie de la part du Paris Saint-Germain, ouais. Avec un score de 1-0 favorable pour l'instant aux Parisiens. On a vu un pressing très très haut, beaucoup de récupération très très haute, un PSG très intéressant. Manque quoi ? Un peu plus de buts, c'est tout ? De buts et toujours garder cette sécurité derrière, tu vois. Mais ça va, tu vois, malgré qu'il y a des petits trucs où c'est pas 100% parfait, au moins ça couvre toujours, quoi qu'il arrive. Mukele, hein, toujours clean, hein, vraiment. Mais ouais, plus la concrétisation des actions, on va dire. Voilà. Allez, Skriniar avec Kanginli qui redescend dans l'axe pour faire le jeu. Repart vers Donnarumma tranquillement. Allez, rapidement sur le côté, et il est seul dans l'axe. Ouais, plus vite. Il a oublié de faire l'appel, je pense, Warren, mais au final, il le fait quand même. Il a tenté le petit dribble derrière la jambe, Warren Zaïre-Emery. Si ça s'était passé, les gars, le petit dribble. Il est un chouïa en retard. Choubidou. Ouais. Chouïa. Mais ça. Ouais, Savanier va envoyer un pétard, les gars. Saint-Luc qui était passé. Mais ça rentrera pas. Mais Savanier va envoyer un pétard. Savanier sur les coups francs, c'est vrai qu'il y a une sacrée patte de la part. Il allume la mèche. Montpellier 1. Il allume. Regarde, son positionnement. Tu sais déjà, il va allumer. Tu vois, quand le mec il est face au ballon, tu sais qu'il va allumer. Tu connais sa mission. Tu te dis pas que non, il va faire un petit centre. Non, il va allumer. Il n'y a pas le mouvement de bras de David Beck. Il va allumer. Il a allumé le premier poteau, mais dans le mur, il y a Warren Zaïre-Emery. 17 ans, pas encore le bac, bientôt. Ni le permis, ni le BSR. Vas-y, continue. Oh l'erreur. C'est ce qu'il faut pas faire avec Mbappé. Mbappé, accélération, le en retrait. Ça va derrière, Non, en fait, tu vois quand Mbappé il déborde à fond comme ça, automatiquement il faut aller au point de pénalty. Automatiquement. Parce que tu sais qu'il va pas tirer. Non mais mettre des coups de rein. Ah non, c'est abusé. Tu vois là, les accélérations qu'ils ont lui et Dembouze. Il n'y a rien, ça joue. Allez, Oui, Warren. La frappe. Non. Il avait tout fait, Warren. Le coup de contrôle était parfait. Pour moi, c'est. Oh, Warren. Aïe, caramba. Le contrôle de Warren était parfait. Le crochet monstrueux. Les gars, je suis pas content. Je suis pas content de ce que je vois là. Il manquait que la finition pour Warren. Merci, Skriniar. Toujours bien positionné. Heureusement. Oh là là, Warren. Ce but-là, c'était ouf. Ah ouais. Et tu vois, ça revient à ce que tu disais. Hein. Il nous manque toujours la fin, là. Il nous manque la fin. Et c'est frustrant de tout faire aussi bien, mais que la dernière touche. Oui, Hakimi. Faut faire quelque chose. Aïe, c'est dommage. Il était bien. Warren, on l'a voulu. Les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette action Montreuil. Le checksplay, toujours. Ah, c'est dommage. Marquinhos. Oui, Warren. Avec Warren Zaïre-Emery. Ça va revenir dans l'axe ou ça reste à Oui, ok, ça revient dans l'axe. Hakimi, la combinaison. Warren Zaïre-Emery le premier sur ce ballon. Il tape. Mbappé, il y a qui sur le côté? Il n'y avait personne. Il a pas eu le choix. Il était trop loin encore, Kanginli, sur le côté gauche. Et ça revient, une nouvelle possession parisienne qui continue, comme dans cette première mi-temps, à récupérer le ballon très très haut. Allez, un contre un petit. Tchap! Ils ont capté la concentré. Hakimi la frappe contre ça. Le renard de surface. Oui, tu vois, c'est exactement ça. C'est revenu juste Colo Muani, ça normalement. Il aime trop ça. Une touche de balle au fond. Il aime trop ça. Mais oui, Colo. C'était à deux doigts. Tu sais le faire en plus.
Mais les gars, en tout cas, ça... dynamique. Ah, ce début de deuxième mi-temps, là, c'est ce qu'on a demandé en vrai. Il hein. faut mettre le deuxième rapidement. En vrai, c'est ce qu'on a demandé. Hein. Manu Ugarte, quatrième solution. Il faut mettre le deuxième rapidement. Ok, boum. Avec Nordi Mukile, position de milieu central ici. Nordi. On a une vraie complémentarité dans les postes du Paris Saint-Germain. Hakimi, le centre premier poteau, c'est contré par la défense montpelliéraine. Et ça revient jusqu'à Achraf qui va mon ami. Obtenir un corner. Vamonos, vamonos. Les gars, ça arrive là. Est-ce que vous le sentez ou pas là? Ça sent le brûlé là. Qui tire? Dembouz. Kangin Lee qui va le tirer, à mon avis. Kangin Lee, en fait, il envoie des fouettés là. Kangin Lee, premier poteau. Est-ce qu'on n'avait pas droit à une petite Colomwani, premier poteau. J'aimerais bien Skriniar un petit peu de la tête aussi. Skriniar ou Marquis, ça fait longtemps. C'est ce qu'on attend hein, de nos décès. De plus d'un mètre. Je suis encore sur Warren. Ah, t'es deg, hein. ça a fini sur un plat du pied qui aurait pu finir en gros pétard. Boum. C'est ça que tu voulais. À la fin, il termine un gros pétard. Boum. Il a pas de pitié. Même s'il pouvait placer, boum. Ah ouais. Quand il tire souvent premier poteau, point de pénalty. Ils ont capté le premier poteau. C'est tiré premier poteau. Colomwani qui sera malheureusement. Pas buteur là-dessus, mais c'est retouché par un Jean Montpellierin. Et nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, deuxième. Combiné, s'il vous plaît. Deuxième. Je rêve qu'il la mette à Dembouz et que ça combine. Deuxième poteau. Boom. Le bras levé, deuxième premier poteau encore une fois. Les gars. Non, t'inquiète. Regarde Marquinhos, il était déjà replacé. Ah, gamin, ça va. Attention à cette relance, Laval. Contre-attaque Montpellierin. Il l'a pas vu à l'opposé. Il va le tacler. Hakimi qui va revenir. Sans faute. Savanier, c'est dur hein, physiquement. Allez, tente ta faire. C'est tout ce qu'il peut la faire. Chotard, non. On savait tous ce qu'il allait faire. On savait. Pas besoin de faire ça. C'était écrit. Oh oui. Allez, de l'autre côté. Kangin Lee. Ah, Dembouz. Regarde là. Ah, ça renverse pas cette fois. Avec Mbappé, la bonne combinaison. Kangin Lee, vraiment le maître des cartes dans ce match. Il lit vraiment bien le jeu. Ouais, vraiment le distributeur. Hein. Ok, Marquinhos qui porte ce ballon assez haut quand même là. Hein. Encore une fois. Oh, mais il a des drifts tellement vicieux. Bah, tu t'y attends pas. Hein. De ouf. Il a dit je bouge pas mon corps, mais le ballon il part quand même, tu vois. Rapidement encore. Allez. Ouais, la bascule met du temps un peu. Hein. Très rapidement. Mais après, il y a le côté où on n'est pas forcément pressé, je pense. Alors, on a un joueur à l'échauffement là ou c'est moi là? Vitinha. Vitinha. Mais les cuisses. Calme, vas-y, va. Remets-lui dans l'axe. Il a résisté au physique. La fin de corps de Warren. La petite passe, elle est parfaite. Avec Hakimi. C'était dur. Et Achraf qui va garder la touche ici. Là, quand il a reçu le ballon, là, il aurait dû accélérer dans la surface. Je pense qu'il manquait l'info d'avant. Ouais, il a attendu. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, petite entrée de Vitinha de prévu, là, on dirait. Là. Ouais, remplacer un Ugarte ou un Warren Zaïre-Emery pour la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a plus de chances qu'un Warren sorte. Hein. Pour la Ligue des Champions, venir. C'est qui que tu sortirais? Allez, toi? Allez, il est parti. Aïe, mais tu vois, c'est ça son. Oh allez, Dembélé dans la surface. Oh là. Gros, ce mec là, il appuie sur l'accélérateur non-stop. C'est abusé. Il dribble avec l'accélérateur. Il est le nitro comme dans Need for Speed. Dans NFS. Quand tu dois appuyer sur le bouton, c'est ça qu'il fait. Il booste à chaque fois. De ouf. Ah, moi aussi, je pense j'ai cru qu'il allait dévier. Merci. Je pense plutôt sur un changement. Toi, t'es bon dans les changements, Arsène. Il est bon dans les changements. On fait Paris changement, c'est parti. Non, il est bon. Allez, c'est parti, vas-y, c'est lancé. Toi, tu dis qui, toi? Warren. Toi, tu dis Warren, vas-y, juste pour faire le mec différent. Je dis Ugarte. C'est Ugarte ou Warren, en fait. Moi, je vais dire Kangin Lee. Ouais, c'est possible aussi, hein, mais. Quel extérieur! Ah, il a pas vu. Moi, je vais dire Kangin Lee parce que je me dis. Il envoie un extérieur du pied. Il aura fait ses 53 minutes. On n'a pas envie de prendre des risques de blessure. On va avoir un Sinon milieu c'est, solide. C'est Mukele qui va sortir. Hein. Non, Mukele pour moi. Et le corner rentre en tiré directement. C'est par qui? Par Mbappé? C'est un gamin lui. Lui là. Tu te souviens de son but l'année dernière? C'est un gamin lui. Tu te souviens de son but l'année dernière? Le goal qui place le ballon, il a 10 buts. Direct. Il a raison, c'est le football les gars. Non, lui c'est quelqu'un qui énerve les gens lui. Et vous pensez que Luis Enrique va changer de joueur les gars? Bah là on a Vitinha à l'esprit. C'est Mukele qui est au sol là actuellement? Ouais, ça va être Nordi hein. Mais non, c'est pas Mukele là qui est parti. Si, c'est lui qui est au sol. Ah, mais il est à droite? Mais non.
qu'est-ce qu'il faut à droite? Non, il est à gauche. Ouais, il est à gauche. Ah, mais je suis en ouf. Il, parce qu'il a envoyé un extérieur du pied Kylian en profondeur. Il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas, même les Montpellier sont arrêtés, c'est quand même sorti. Il a longé la ligne et il est re-rentré dans le terrain. Incroyable. Pour l'instant, côté du banc parisien, il n'y a pas eu de changement. Pas d'autres joueurs à l'échauffement. On reste avec Vitinha simplement à l'échauffement. Parce que si Moukili est blessé, t'envoies qui? Bah là, Ah, mais là, Lucas. On a Lucas Hernandez sur le ouais, banc. Il va rentrer. On a Barcola aussi, hein, qui peut jouer latéral. Les Ndour. Ouais, Ndour. Hein, et Carlos Soler qui a joué également latéral piston. Il a été pas mal. Qui a été pas mal. Il a été pas mal, mais tu vois, c'est pas là où on l'attend en particulier. Mais il a été pas mal, ce petit. Ouais. Avec corner sortant. Cher Ndour, je serais curieux de le voir rentrer là. J'avoue, je serais pas. Et puis Marquinhos peut très bien prendre aussi le côté gauche. Et... ce côté gauche. Oh, merci. Faire rentrer un décès. Oh. Ouais. Ah oui, ça repart tout de suite. Hein. Ça repart tout de suite. Montpellier, tu sais, ils ont les contres, mais ils arrivent pas à les jouer. Ils arrivent pas. C'est trop solide là défensivement. Oh là là, la percussion, c'est qui ça? Ouh là. La faute sur Achraf Hakimi. T'as vu le petit saut pour éviter de se faire marcher dessus? Ah, on a un deuxième joueur à l'échauffement là, les gars. Ouais. C'est Gonçalo Ramos et Monsieur Boadley. Monsieur Boadley. Et ouais. On a trois joueurs à l'échauffement, Monsieur les gars. Boadley. Barcola, Vitinha et le Big Ram. Oh là là là, ce qu'il allait lui faire. Forme de corps, là. Là, c'était petit pont là. Il s'est récupéré à l'entrée de la surface. Ah, l'enroulé. C'est un coquin, lui. Il sera pas cadré, malheureusement. Que, vraiment, ce mec-là, tu sais pas d'où ça sort, hein, Dembélé. En fait, tu sais pas ce qu'il va faire. Non, c'est soit il va t'envoyer un enroulé, mais en fait, non, il déborde. Mais en fait, il crochet dans l'axe. C'est illisible comme jeu. C'est pour ça que les vidéos, pour moi, un mec comme lui, ça sert à rien. Tu peux faire toutes les séances vidéo que tu c'est veux. C'est mort. Aucune utilité. Il va dire, mais sachez que les gars, quand Dembélé il fait fin de corps dans l'axe, c'est qu'il déborde pied droit. Ça fait penser, okay, monsieur, ça fait penser à la vidéo Les yeux dans les bleus, là. Quand tu sors Ronaldo, vous avez vu, lui, c'est toujours... Passe-moi. Il dit, c'est Desailly. Le ballon, après, il disparaît. C'est Desailly qui dit, il est là, il fait fab, le ballon, il disparaît. Et tu sens que... Que les mecs ils sont en mode on a abdiqué. Ils veulent se convaincre avec ça. Ouais, genre c'est mort les gars, on peut rien faire, tu vois. Mais c'était réel. Hein. Vraiment. Putain, tu vois, des fois, dans un moment comme ça, je me dis je t'envie quand même, Trippi. Hein. Je me dis j'aurais aimé connaître ce truc dont les pros parlent et que nous on peut juste voir de l'extérieur. Dembélé qui vient contrer ce ballon, ça revient à Hakimi. Allez, va, petit, va. Occasion pour les Parisiens. Warren Zaïre-Emery qui va chercher en retrait. Ousmane Dembélé. C'est Dembélé qui arrive à l'ajuster sur le contrôle. Là. Merci, il arrive à l'ajuster sur le contrôle, se mêle. Oh. Non, merci. Oh là là, le gars. Les gars, vous voyez, quand moi je vois ça. Là, il a envoyé le pétard. Il a allumé. Oui, c'est ça qu'on attendait de lui. Non, il a allumé. C'est ça qu'on voulait, Warren. Waouh. Donc, ça fait quoi? Deux buts en une semaine là. Warren, c'est deux buts en une semaine et je crois 4 passes D sur les 5 derniers matchs. Le petit a le brassard déjà en espoir. De ouf. Non, ce petit est né pour briller, les gars. Vraiment, quelle joie de l'avoir ici. C'est un truc de fou, tu vois. Gonçalo à la place de Colo. Ou à la place de... Et Machado à la place de Ugarte, moi, je dis. Ouais, je pense que ça va tourner à la 65e, à peu près. Ah, peut-être Ugarte, finalement, t'as raison, Trippi. Hein. On voit un peu moi, je parie plus sur Kanginli. Hein, que... Pétard mouillé devant, les gars. Parce que moi, je suis en mode... J'ai rien dit. Les gars, il y a match mardi. Frère, demain, une blessure, ça intervient trop vite, tu vois. Donc, il y a 2-0, tranquille, c'est sécurisé. Et Zaïre-Emery obtient une ovation du public. Bien mérité avec toutes ses performances. Warren, Zaïre-Emery. Il y a de l'espace là dans l'axe pour chercher Kanginli. Ah, il a pas vu la prise d'information. Un peu trop longue. Ah oui, c'est pour toi. Et ça revient sur Mbappé. Et Dembélé, j'aime bien la bagarre. Hein. J'aime bien l'intensité qu'il met dans la récupération du ballon. Gonçalo à la place de Colo. Merci pour les services rendus. Et il a envoyé un pétard. Oui. Il a envoyé. Tu vois le pétard lacé, boum. Et la tu vois quand je te dis, il va la chercher. Hein. Parce qu'en fait la passe elle est derrière. Et Dembélé ramène le ballon. Non, la passe dès qu'il lui met là.
C'est ça, les gars. Hey, ça, c'est un truc de five, ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est du futsal. Les gars, un bon joueur de foot, il sait adapter les ballons qu'on lui donne s'ils sont pas parfaits, parfaits. C'est ça qu'on attend d'un top joueur de foot. Non, Warren, vraiment. Ah, Warren qui enchaîne, hein, qui continue encore une fois. Warren Zaïre-Emery. Ouais, j'ai les commentaires, les gars. Hein, si ça peut, et deux passes D hein, pour Ousmane Dembélé ce soir. Parce que c'est ça qu'on attend de lui. C'est ce qu'on disait. Ah oui, quel gros match, hein, d'Ousmane. Vraiment, il est là dans les dribbles. Ousmane, il est fidèle à lui-même. Hein, pour l'instant, il est fidèle. Là, ouais. Juste là, il a fait des passes. Ah, les changements, on les a maintenant. 19-17, c'est qui le 17? Ah non, on n'a pas vu venir lui. C'est qui? C'est Kang In Lee qui va sortir pour Vitinha. J'avais raison, les gars. Je l'avais dit, les gars. Merci petit, merci. Oui, oui. Kang In Lee. Il l'avait dit. Je vous porte officiellement dans mon cœur, sachez-le. Merci petit, merci. Merci pour les services rendus. Merci. Je savais. Tu mènes 2-0 face à Montpellier à domicile, ta match mardi. Après la prestation que le mec te fait, frérot, viens t'asseoir, merci. Tu as fait un très bon match. Colomoigny remplacé par Gonzalo Ramos, le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Ouais, merci Colo. Non, merci Colo. Merci Colo. Parce que son travail, il est ingrat. Il est ingrat. Parce que c'est pas un travail où tu brilles forcément au premier plan. C'est un travail ingrat. Mais c'est un travail ingrat. Mais les gens, ils comprennent pas trop forcément ça d'un point de vue. Genre, même là, les gens se rendent pas compte que Mbappé, là, il est en train de se sacrifier pour l'équipe. De fou. Il se sacrifie, il accepte. Voilà. Il touche moins de ballons. Normal, on aurait vu. Là, il est. J'accepte de me mettre en retrait. Je touche un peu moins de ballons. Il y a trois mecs autour de moi, les gars. Bon, il y a l'espace que je libère pour vous. Il est quand même à 10 buts. Il est quand même à 10 buts, gars. Ça reste Mbappé, les gars. Donc il dit, bon, aujourd'hui, je peux aujourd'hui. Oui. Il a dit, les gars, vous savez quoi, vas-y, tranquille. Je vais marcher un peu, mais par contre, face à Milan, les gars, je compte sur vous pour me créer les espaces, par contre. Hein. Je vous les crée face à Montpellier. Non, ça va. Donnarumma, la bonne relance. Tu l'as vu, allez, tonton petit. Plein voilà. Accès d'espace. Merci. Vitinha, bien orienté, avec Nordi Mukiele qui continue sa grosse prestation. Nordi Mukiele. Ah, non, c'est pas là. Allez, Romingol Pauleta, peut-être. Il a vu en retrait. Non, pas de Pauleta. Aujourd'hui, il veut se venger. Laissez-le, il y a 2-0. Laissez-le. Oui, le ballon est sorti. Ah, le ballon est sorti. Je croyais qu'il fixait depuis tout à l'heure. Je t'en vois, laissez-le, les gars, laissez-le. Il est le ballon est sorti. Dis-nous ce que tu veux nous dire, Mbappé. On est prêt à t'écouter. Il a quand même reçu à l'avoir. Dembouze, il a cassé des reins. Il a humilié les défenseurs et les autres en ont profité. Et oui, parce deux passes D1. Il a oh là là, ça combine. Oh là là, t'es pas Warren Zaïre-Emery. Oh, le détail. Non, c'est le détail. Tu l'as vu ou pas? Contrôle qui. Oui. Est là dans ce sens. Le ballon est dans ce sens. Oui. Un chouïa. Ah ouais, un troisième but là, on sera au top. Ah ouais. Un chouïa, un peu trop. Là, il est mieux en deuxième mi-temps. Enfin, qui ça? Sa fin de première mi-temps et là sa deuxième mi-temps, Warren, ouais. Il est mieux. Ouais, là c'est progressif là du coup là. Ah, c'est vrai. Merci Dembouze. Dembouze pour Gonzalo Ramos qui ne trouvera pas le cadre malheureusement. Il en vient de s'écouter. Bon, on veut faire rentrer Bradley s'il vous plaît. Bradley échauffement avec. Avec qui ça là? Bradley à la place de. Ça va rentrer à la place de. Il y a encore Dembélé. Deux autres joueurs là, les c'est Lucas Hernandez. C'est Lucas. C'est Lucas, c'est le préparateur sportif avec lui. Ok. Contrôle poitrine, sombrero tenté à part Dembélé. Récupération de Warren Zaïre-Emery. Et lui là-bas. Emmanuel Ugarte. T'étais pas obligé d'y aller. C'est le ballon qu'il fallait envoyer, mais c'est pas grave. Retrouve-le, voilà. Ça va, tranquille les gars. Non, faut qu'il y ait un troisième là. Faut qu'on les appuie. Voilà, mais je suis plus en mode plaçons les attaques, tu vois. Mais le troisième est inévitable pour moi. Oh, mais wesh. C'est beau ça. Mbappé, vraiment, il a ce jeu d'appui remise. Oh les gamins. Oh là 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 là. Tu vois, circuit de passe à l'entraînement. Quand tu mets les plots. De ouf. C'est ce qu'ils sont en train de faire là, les gars. Les gamins. Dembélé, bonne prise de balle. Oh là là, mais c'est fin de corps, les gars, mais c'est ouf. Aïe. Il lance salom, Ousmane Dembélé. Où il va? Ah, un peu trop long. Ballon, un peu trop long. Et Saint-Luc qui va le récupérer. Non, mais Luis Enrique doit kiffer comme nous. Luis Enrique, je pense qu'il kiffe là. Il doit kiffer comme nous quand il voit Dembélé qui a le ballon. Il est forcément. Il est fan de lui. Oui, mais il est obligé de faire gage de. Tu vois. Regardez le pressing de Gonzalo Ramos qui vient de rentrer. Il l'a dit en conférence, il a dit moi je suis fan de lui. Il est fan de lui. Mais qui n'est pas fan de Dembélé, les gars, vraiment? Gonzalo Ramos plein d'envie hein. Dans son entrée, on le voit aussi. Et le stade qui chante, les gars. Hein. Ils ont des passes de poussin. Mais t'as vu ce que je dis depuis le début, ça n'appuie pas les ballons. Mais c'est ça le problème quand tu joues extérieur domicile. C'est que toi, t'as tes réflexes dans ton terrain. Peut-être c'est plus arrosé, je sais pas.
Donc l'intensité que tu mets dans les passes, c'est jamais la même en fonction des stades. Quoi, aujourd'hui, tu peux pas. Non, la touche du côté d'Mbappé. Kiki, ton serré, Kiki. Aujourd'hui, là, ils veulent pas te laisser. Aujourd'hui, non, ils veulent pas. Ah, Kanginli, grosse performance aujourd'hui. Tu l'as vu? Ah, il a pas voulu. Ah, les gars, ça a gueule dans le stade. Hein. Je peux vous dire que là. Hakimi. À Auteuil, il y a une sacrée ambiance. C'est mort pour toi. Avec Ousmane Dembélé qui a vu. Aïe, Oh, Hakimi, oh, oui. Vitinha. On a dit en retrait, gamin. En retrait. On a dit oui. Achraf Hakimi. C'est en retrait, les gars. Merci, Gonzalo. Merci, t'emmènes le bloc. T'emmènes le peuple. Il emmène le bloc. Il emmène le peuple. Oh là là. Il y a encore un qui marche cette fois-ci. Les gars, c'est abusé. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe d'un point de vue football là. Il lui a mis une deuxième passe en profondeur. C'est abusé. Non, Dembélé, merci. Oui, je pète un plomb sur le taf de Dembélé, les gars. Dembouze, homme du match. Il y a rien à dire. Ah ouais, là, si, ils me le mettent pas. Non, Dembélé, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui. Ah ouais, non, les gars, je veux des Dembélé dans aujourd'hui, le chat. Aujourd'hui, je pense que t'as lu les commentaires. T'as lu les commentaires des gens. Des Dembélé dans le chat, les gars. Là, il a pas la passe D, mais il a l'avant passe D. Non, il envoie deux passes D, une avant passe D. Exactement. C'est ce qu'on appelle la construction. Tu vois, il est à l'origine de la construction. Non, le gars a envoyé un. C'est l'élément déclencheur de. C'est ça. La passe clé. On veut Dembélé sorte, on le fait ovation. Aujourd'hui, c'est lui. Oui, je peux me lever. Aujourd'hui, c'est lui. Ma tête sort du cadre, les gars. Bradley pour Dembélé. Cédric, il faut discuter, il faut bien parler. Il est où, je le vois pas. Il est là. Il faut bien parler. Va te reposer un peu, Dembélé. Il a dit, c'est l'heure. Quel charisme. Dembélé, viens t'asseoir, s'il te plaît. Viens t'asseoir, Dembélé. Il va faire sortir qui, Nordi ou Hakimi? C'est la combien de chème, là? C'est la 66ème. Non, on va faire sortir Dembélé, on veut une ovation, pardon. Eh, Trafic, qu'est-ce que tu veux là? Eh, le Big Lam. Eh, les gars, il y a mes viewers dans le chat. Je profite du match, Lam. Je profite du match comme toi. Non, si Dembélé marque là, on va exploser. Oh, allez, si il marque, on va exploser. Les gars. Ah, il mériterait plus que ça. Sachez que j'avais pronostiqué un petit 3-1, les gars. Techniquement, pour l'instant. Moi, je dis 2-0, c'est mort. Non, toi, après, c'est mort. Après, t'es parti sur un 5-2. Tu restes sur le premier ou le deuxième? allez, on t'accorde le deuxième. Sur 5-2 au final. On a perdu. Non, on m'a perdu, moi, c'est pas grave. 2-1, vraiment. Il a dit ça en match, ça allait être un match difficile, non, vraiment. Non, moi, quand je dis 2-1, c'est pas question difficile, c'est un match à suspense. C'est qu'il y a des occasions, il y a des trucs. Mais moi, je voyais, c'était écrit, quand tu vois qu'on fait 45 minutes dans leur moitié de terrain, Il faut qu'il marque aussi notre petit Kiki de Moudi. Kiki, ouais, tu connais une. La stat du début de match qui se confirme, je vous ai dit 3 buts par le Paris Saint-Germain marqués lors des 4 derniers matchs. Et maintenant, c'est 5 matchs d'affilée que le PSG marque 3 buts. C'est ouf, un meilleur attaque. Hein. Achraf, t'as fait une passe, il ne pouvait pas l'avoir. On va être à 5 victoires d'affilée avec 3 buts marqués à chaque fois. C'est ouf en vrai, hein. On s'en rend pas compte là. Plus 3 à chaque fois. Ouais. Attends, c'est 3 buts marqués ou plus 3. Ah ouais, non. 3 buts marqués. Okay. On a gagné 3 de contre. Ça veut dire quand même que. Ah oui, oui, c'était quelle saison ça? On mettait que des plus 4. Zlatan, Laurent Blanc. Voilà. C'était Zlatan, 4-0 au score maison. C'était abusé. Match à domicile. Des 5-0. Bah d'ailleurs, le PSG Bastia dont je te parlais. 4-0. Des 4-0, des 5-0. 7 contre 8 contre le 3. Tu joues. Yaman. À ton âge. Monsieur Buquet. À ton âge. Monsieur Buquet. À ton âge. Merci Mukele. Nordi imprenable aujourd'hui. La forteresse Mukele. Ah, Mukele, par contre, faut pas aller dans les. Et derrière, il nous fait la spéciale David Luiz. Mukele, faut pas se compliquer la tâche. Mukele, pour l'instant, il fait ce qu'on attend de lui. Ouais, son taf. Changement pour Montpellier avec l'entrée de Wahbi Khazri. Et également du numéro 18, ça va être. Khazri. Léo Leroy, le fils de Jérôme Leroy, qui va rentrer. Wahbi Khazri. Numéro 10, hein. Faut faire rentrer logique. Faut faire rentrer Boadley. Le roi que on est qu'à la 68ème. Ouais, on est encore au début là. Oh, ça va, on espère encore avoir des buts. Ah, il y a du temps. Ça peut avoir 5 buts aujourd'hui, on dit pas non. Khazri, vraiment. La star, hein. Numéro 10. Allez. Remise en jeu pour les Parisiens, ça va être Donnarumma qui va s'en charger. Lucas, tu rentres à la place de qui? De Nordi? De Nordi, tu vas rentrer. Je pense qu'il rentre à la place de Mukele, ouais, parce qu'il a besoin aussi de temps de jeu. Et Mukele, là, tu finiras sur une très très bonne note, cher ami. Ou possible Achraf, hein, pour faire tourner un peu les latéraux et, ah ouais, et ça remettre à Mukele de l'autre côté. Par rapport à Kangli, tu vois. Ouais. De côté, on fait souffler
Il est là. Viens décrocher. Il oublie un peu son ballon. Heureusement, parce que là. Il protège bien sa balle, là. Il met sa petite jambe en position. Il oublie un peu son ballon, mais très intelligemment. Et c'est Marquinhos qui va sortir. Le capitaine. Il change. Mukele, il passe à droite. On fait sortir un peu les. Tu connais les joueurs cadres. Le capitaine. Mukele, il passe à droite. Mais on attend toujours l'entrée de Bradley, mesdames et messieurs. C'est Bradley. On approche de la 70e. Non, moi, je veux une ovation. Fabien Ruiz également, échauffement. Merci, capitaine. Capitaine. Merci, Capi. Capitaine. Merci, Marquinhos, vraiment. Mais... ces travaux colossaux. Et on est ce qui rentre. Mais Nordi, Nordi, il ne va pas jouer dans l'axe. Je t'avoue que Nordi, je préfère plus sur un côté que dans l'axe. C'est vrai qu'à Leipzig, il joue sur le côté. Hein. Bah ouais, à Leipzig, il était sur quand le côté. Quand tu es à 3 derrière, là, il joue sur le côté. Côté droit. Mais l'avantage quand tu joues latéral, c'est que même si tu te fais passer, il reste une dernière, dernière ligne qui peut sécuriser le truc. À l'échauffement, on a Carlos Soler, Fabien Ruiz et Bradley Barcola. Non, on veut Bradley. On veut Bradley. Mais allez, faites rentrer tout le monde. Faites changer tout le monde, même l'arbitre, s'il veut en remplacer, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon, il y a 3-0. Oui, mettez même un nouvel arbitre, les gars, on est prêts. Côté. Il a voulu faire le relais où tu repasses par l'axe, mais le pressing, c'est vrai qu'il était intense. On a un public aujourd'hui on fire, il fait froid, mais pourtant, ça donne de la voix du côté du Parc des Princes. Dembélé, il est resté là. Depuis, il est là. Je t'ai dit, il recharge les batteries. C'est pour ça qu'il s'adore avec Luis Enrique. Non, il recharge les batteries. Il discute. Ah bah ouais, parce qu'il joue sur le côté du coach. J'ai connu ça, les gars. J'ai un passif de footballeur, les gars. Je l'ai pas dit, mais j'ai joué latte. Latéral. Piston. Boum. Oh, il a pas vu. Non, il temporise. Là, t'envoies une bécam là-bas. Mais là. Les gars, si Mbappé, pour moi, ce match-là, c'est pas... Ah, il lui a dit avant. Enrique, il est mort, le petit pont, tu le vois ou pas? Ah non, ils se sont parlé. Le premier devant Wabi Kazri. Ah, il lui a dit genre. Il lui a dit prochain ballon, tu m'envoies en profondeur. Warren Zaïmri face à Wabi Kazri, il résiste. Mais les gars, moi, je le redis, le truc qui me choque le plus avec Warren, c'est le gainage qu'il a, les gars. Il absorbe les duels. Mais c'est abusé, c'est Seedorf, le mec. Il est trop solide. Oh, Seedorf à Milan. Oh, ouais, là, il est trop solide, le mec. À 17 ans, qu'est-ce que ce sera à 20 ans? Ou à 22 ans. Seedorf, c'était pareil. Hein. T'as vu le match contre Milan? Il fait tomber des joueurs qui... Seedorf, très jeune, c'est pareil. Ouais, Seedorf, gros. Seedorf à 17 ans. Tu pouvais pas partir sur avec Edgar Davis. Oh là là. C'était abusé. Je savais pas que très jeune était aussi fort. Ouais, Seedorf, mais c'est le gab, en fait. C'est le gainage. C'est impressionnant. Je sais qu'il est... Il est trop gainé, mais je savais pas que c'était aussi jeune. Mec, vois, mais c'était l'époque où ils ont sorti énormément de joueurs, l'Ajax. L'Ajax, c'était le centre de formation de toute la Hollande. Hein. Ils ont sorti des cyborgs. Des cyborgs, vraiment. Comme il y a 4-5 ans. Oh là là, ça c'est pas des bons. Ça, j'aime pas ces ballons, heureusement. Merci. Comme il y a 4-5 ans avec les deux liards de Young, etc. Exactement ça. De toute façon, l'Ajax a toujours été connu pour ça. Les mecs, ils sont. Bon, là, ça va un peu. Ouais, c'est vrai. Moins bien du côté de l'Ajax qui était dernier, je crois. Ils ont gagné 2-0 ce week-end. Mais tu connais. Ils vont pas finir dernier. Non, ils vont se relancer. Mais tu vois, c'est quand même des mecs qui te font des finales de Ligue des Champions avec. Lucas, vas-y, essaye-toi, Lucas. T'as pas encore fait ta transversale là que t'aimes bien faire. Ouais. Pour conclure sur Warren, les gars, franchement, le gainage qu'il a, ce petit, je sais pas comment il fait. Comment tu fais que t'as deux mecs qui sont. Tiens, moi je l'ai vu jouer en U19 nationaux. C'est le même. Ah ouais, ça veut dire que ça doit être pire pour les U19. Il prenait le ballon, conduite, il passait tout le monde et même au niveau gainage, tu pouvais pas. Bah ouais, ça veut dire que tu te dis, je vais lui mettre un coup d'épaule, mais c'est moi, je tombe. Il y a un problème dans l'équation. Il est enraciné. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment enraciné dans le sol. Tu vois. Et après, il y a un délire où le fait d'être pas hyper grand, ça aide hein, en termes de taille. Tu vois. Regarde, là, l'entraîneur adjoint qui va. Le préparateur là qui va venir. Qui envoie les consignes. Parler ça y est. À un des joueurs, attention, on va regarder. Les ordres sont donnés à Fabien Ruiz, Carlos Soler. Et pas de Bradley Barcola. Pas encore. Non, j'ai pas l'impression. On a Soler et Ruiz qui vont. Après, Barcola, il est dans cette position un peu difficile à. Oh oui, merci Gonzalo. Non, mais nous on volait. Ça vient, Garin. Ouais, une position difficile. Oh, il l'aurait fait deux fois. Oh, la frappe d'Mbappé qui passera juste au-dessus de la barre. Sans élan, qui est Mbappé, pas loin d'inscrire un but phénoménal et un 4-0 ici. Un ballon bien flottant. Hein. Mais ouais, je disais, Barcola, il est dans ce délire un peu où
t'es jeune, tu viens d'arriver, mais oublie pas qu'en attaque, il y a Dembouz. Il y a Dembouz. Et encore, celui avec qui tu dois changer, ça peut potentiellement être Mbappé. Mais où Savanier? Je crois qu'il est sorti, non? Oh là là, non, il est là. Ah, il est là. Hakimi avec Gonzalo Ramos. Ça revient. Warren Zaïre-Emery, la combinaison Mbappé. La passe. Oh, le contrôle pour Gonzalo Ramos, talonnade. Vitinha dans la surface. Mais on va entrer dans Warren Zaïre-Emery. Bim. Allez, c'est pour toi. À droite, allez, oui, Dembouz. Ousmane Dembélé, le centre contré. Il aime trop celle-là, Dembélé. Petit comme ça. Oui, tu vois, tu vois de laquelle je vois ou pas, Arsène? Tu vois cette petite. Il envoie. Alors, sur le chat, on me dit Warren Zaïre-Emery n'apparaît pas dans la compo alors qu'il n'est pas sorti. Ouais, c'est un petit bug, la régie qui va s'en occuper. Bug. Oh, Ougarté, tu peux faire ça, Ougarté. Mais il est bien là, Warren. Ougarté, tu peux faire ça. Mauvaise lecture, mais. Wabi Kazri. Oui, petite faute de Warren Zaïre-Emery. Il aurait dû prendre le ballon avant. C'est vrai. Après, il essaie de combler. Il aurait dû prendre le ballon. En fait, il revient bien. Mais au lieu de prendre le ballon, il s'oublie. Attention à Savanier, coup de pied arrêté. Non, Savanier, c'est la qualité. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, on va se. Non, il va envoyer une mine. Est-ce que c'est un peu plus dangereux que la franchement, là, c'est plus le coup franc, voilà. Il attention a plus parce que Savanier, faut pas sous-estimer le coup de pied arrêté. Hein. Tu penses ouais. Il envoie des flottantes. Hein. Ah, si. De toute façon, comme on l'a dit, ça se voit à la position qu'il a avant même de frapper. Ah non, c'est un très très bon tireur de coup de pied arrêté. C'est un joueur de pétanque aussi. Hein. Mais tu vois, c'est là où moi je fais la différence entre les bons frappeurs de ballon et les bons tireurs de coups francs. Je sais pas si tu vois un peu. Et Carlos Soler, Fabien Ruiz qui vont rentrer dans quelques minutes. Pas de Barcola visiblement. Avant, le coup franc de Savanier qui passera au-dessus, c'est bon. Tranquille. Savanier, tu vois, j'ai connu mieux. Ouais, les gars, moi je suis pas d'accord avec vous là. Je suis pas convaincu. Hein, parce ah, mais que, bien franchement, sûr. Il a mis des sacrés coups. Oui. Il a mis des sacrés mines, mais pas au franc. Ah, merci. Hein. Qui sort? Warren. Warren, merci pour les travaux colossaux, nous pouvons le dire. Bien applaudi. Hein. Je veux des émojis travaux dans le chat. pour dire chantier merci. Voilà, je veux les émojis du chantier dans le chat, s'il vous plaît. Mais merci Warren. Achraf Hakimi aussi. Achraf qui sort. Qui sort. Pour Carlos Soler, du coup, côté droit. C'est vrai. Donc là, j'ai pas très bien compris ce qui va se passer au niveau de l'animation générale. Là, dans Fabien Ruiz qui prend la place de Warren. On va passer en 4-3-3. Non, on change pas. Ah non, il va prendre le côté. Carlos va prendre le côté, Carlos. Qui est ton droit, regarde. Ouais. Ok. Carlos va prendre son côté, calme. Il va prendre son côté calmement. C'est le rôle qu'on lui a défini. Ah, qui était très propre, Carlos Soler à ce poste. Qui a même été en team of the week. Coucou, attention, Donnarumma pressé. Dodo, qui arrive à trouver Fabien Ruiz, la super relance. Gars, les Fabien, sorties non, mais Fabien aussi, c'est pas mal ce qu'il fait. Ouais. C'est... Et là derrière, mais ça peut aller vite. Je voulais le dire, hein, en mode depuis le début de saison. Oh là là, oh ça revient avec Gonzalo Ramos. Oh, j'ai trempé, tu l'as vu ou pas? Ouais, Fabien Ruiz en ce moment, c'est masterclass sur masterclass. Bah ouais. En fait, il est dans un collectif, on dirait qu'il arrive à s'épanouir, c'est ouf. Il est quand même. Adam, s'il est passé, est-ce qu'il va revenir? Ah bah oui, il y a personne, il demande. Frérot, personne n'y croit, on dirait, à côté Montpellierin. Donc, moi, si j'étais lui, je serais parti tout droit. Vraiment, je l'attends en solo. Hein. Récupération. Il y a faute de Gonzalo. Et s'il y a faute, elle est parisienne. Hein. Ah ouais, je pensais quoi? Ah bah oui, il lui rentre dedans, il rate son dribble. Et encore, les gars, vous voyez les petites actions comme ça peut être hyper dangereux. Hein. Quand tu perds ton ballon et que tu rentres dans le mec qui, lui, est ancré dans le sol, tu perds un genou, mais facilement. Hein. Mais ce qui fait la différence avec Benoît, c'est qu'il a fait la préparation. Quand il est arrivé, là, il n'y a pas fait de préparation, il s'entraînait seul. C'est vrai que c'était compliqué. Et là, franchement, non. Bah là, tu vois, je le trouve bien dans l'équipe. Ah, il fait des super, tu le regardes, entrées, tu des dis super, pas, super matchs quand il joue aussi. Il est dans son rôle. Oui, il est son entrée contre Milan, phénoménale aussi. Mais tous, tu sais que lui, Ramos, Kanginli, je me suis dit, mais les gars, qu'est-ce que vous êtes dit dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain, tu vois? Allez, Moukielé. Il va tout seul, Nordi Moukielé. Il a une percussion. Ah, il est sur le périph' là. Oui, c'est ça. Il va tout droit, tu vois. Porte de Montreuil. Il va tout droit. Et Moukielé, j'ai l'impression que quand le mec déborde, t'as peur de lui rentrer dedans. C'est un train, tu vois. Tu te dis, si je me mets sur les rails, je me fais renverser, tu vois. Ils ont combien de passes, Montpellier, de réussite déjà? On a un peu accès aux stats là. Ouais, on va mettre ça tout de suite. Mets-nous ça un petit peu. Parce que là, Montpellier, ils ont pas réussi beaucoup de passes, hein. Alors, niveau passe, précision passe 76. 76% de possession de passe, c'est off. 235 c'est passes à 636. 636 je passes. J'actualise pour voir. Je pense que c'est actualisé. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est dingue.
Non, non, c'est ça. Ça vient, on y est. Ah, c'est ça. 636 passes. 636 passes, les gars, c'est de la faute. Le joueur était qui est au sol, là, côté Machado. C'est Machado Vitinha. Mais vous savez que du point de vue montpellierain, ça doit être horrible. Tu peux rien dire à tes joueurs. Tu prends un taureau géant. Bah ouais, tu peux donner quelle consigne à une équipe qui a pas le ballon? Pourquoi? Parce que ce qui est bien dans le PSG, c'est qu'en possession, ils sont bien, mais quand ils décident de mettre la nitro, là. Ouais. Avec Dembélé, ça part. C'est vrai. Avec Kylian, ça part. Même avec Kolo, des fois aussi. Ça peut partir aussi. C'est très, très Luis Enrique. Hein, ce côté attention, un peu, la relance aux gars, le compte ici. Bon, ils ont pas peur, hein. Avec le roi. Remix plein axe, comme ça. C'est bancal, mais ça tient. Savani intercepté par Manuel Ugarte. Ouais, petit. Gonzalo Ramos, passement de jambe. Il a pas vu Dembouze. Il a voulu faire croquer son gars. Non, mais c'est bien, j'aime bien la mentalité. Carlos Soler avec Dembélé. Allez, Ousmane, tu mérites un but. Pavel Ruiz, le pétard. Oui, il est sorti. Mais Dembélé, waouh. Aujourd'hui, il s'amuse. C'est l'amusement aujourd'hui. Mais les gars, quand le PSG joue comme ça, vous pouvez mettre n'importe quelle équipe en face. C'est mort, les gars. Vous pouvez mettre n'importe qui. Quand ils ont dit, les gars, venez, on s'amuse. Non, c'est mort. Ils ont payé les 12 euros du 5, tu vois, et ils jouent tous. De ouf. Mais c'est abusé le niveau, là. Non, mais c'est Montreuil. Mukele, vraiment Mukele. Nordi, quel match. Non, Nordi, quel match. La street vous laissez ça. Laissez dans les poches. Laissez-le, c'est pas lui. Mukele, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as absolument rien à te reprocher, tu as fait ton travail. Oh, monsieur Puquette, là. Non, mais c'est quoi ça? Un carton jaune pour Nordi Mukele. Un peu ingrat. Lui, il veut juste mettre sur son carton. Attends, il a combien de moyenne de carton, lui, en match? C'est ça le problème des arbitres. Un peu ingrat. Franchement, là, monsieur l'arbitre, on est à la 81e. 82e minute, pas besoin. Pas besoin. Sachant qu'en plus, tout le match s'est déroulé correctement dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de friction. Ouais, non, il n'y a rien eu. Ah, changement côté Montpellier. Adams qui va sortir. Qu'est-ce qui se passe? Fameux Adams. Ah, ça doit être dur, hein. Ouais, carton jaune par match, il en met 4,4. Ouais, ouais. Oula, c'est chaud. Ouais, pote, il en met 4. Et c'est le premier de la rencontre. Est-ce qu'on peut parler d'Adams rapidement, là, l'attaquant montpellierain, les gars? On l'a pas vu. Il a été. Quand tu mis à part ces deux petits ponts. On oublie. C'est pas lui, les petits ponts, c'est Altamari. On oublie. Ah, c'est qui? C'est Adams qui a. Ouais, c'est Adams qui sort. Mais on oublie qu'il joue numéro 9, pointe haute, dans une équipe qui n'a aucun ballon. Ah, il pouvait rien faire, c'est pas de sa faute. C'est horrible. Mais c'est pas de sa faute, malheureusement. C'est Altamari, les petits ponts, c'est le numéro 9 quand même. C'était Altamari, ouais, exactement. Moussa Altamari. Mets un poulet devant là, on s'en fout. Merci pour cette rectification à chaque fois. Le bon vieux Arsène. Pas de soucis. Altamari. Jordanien. Ouais, né en Jordanie. Exactement. 97, hein, il est jeune. Hein. À 26 ans. Non, mais les gars, faut aller à la tête après, les gars. C'est vrai. Tu l'as vu? Merci, gamin. Regarde, le contrôle. On le savait. Ousmane Dembélé avec Carlos Soler. Non, c'est pas Achraf. C'est pas un peu trop ce ballon. On a dit le contrôle. Et derrière, qui vient défendre? Oui. Ousmane contrôleur. Dembélé. Ah, et après, il faut se calmer. Ah, c'est son match référence. C'est son match ref, là. Ouais, pour l'instant. Demain, quelqu'un il nous dit Dembélé, il a pas fait un top match au PSG. On lui sort le replay. Hein. Oh oui, bien, je vais bien fermer ça. Oui, Manuel. Il est sur tous les buts. Oui, Manuel. Non, Mbappé, tranquille. Mbappé, merci de t'être sacrifié. Ne t'inquiète pas, à Milan, l'équipe va se tuer pour toi. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Il y aura plus d'espace à Milan, c'est sûr. Bah oui. Ils sont obligés de gagner le Milan. Ils n'ont pas le choix. C'est une équipe qui va presser, qui va aller chercher. Et il aura tous les espaces nécessaires. Ah, Mukele, j'aime bien. Alors, prend son temps. Côté PSG. Ah, en ce moment, difficulté défense. Hernandez avec Donnarumma en retrait. C'est les ballons des fois. Gonzalo de la tête, devancé par le coup de physique de Kouyaté. C'est pas grave. Allez, ça sort derrière. Ça va presser en plus. Mais bien sûr, Gonzalo Ramos, il a faim. Au pressing là sur. Intérieur. Vas-y. Benjamin Lecomte. Ah, merci, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Et c'est comme ça qu'on gagne la touche. Des arcariens, faut laisser, reste sur le côté. Warren Zaïd Emery, m'énerve. World Cup, effectivement, les gars. Ah, c'est possible, hein. Il a marqué beaucoup de points pour intégrer la liste de Deschamps. Déjà, parlons de l'Euro avant la Coupe. Voilà, après, les JO, il y a pas de choses. Il y a l'Euro, les JO. L'Euro, vous le voyez dedans ou pas dans le groupe? C'est fort possible. Après, il faut voir la relation Deschamps-Henry. Peut-être que tu passes le brassard à un joueur, c'est compliqué direct de le prendre, je sais pas. On s'en fout.
Ah ouais. On s'en fout, on s'en c'est fout. C'est vrai qu'il mérite, surtout parce que Tchouaméni est blessé. Oh, magnifique en ce moment, ça il est blessé. Oh, c'est beau. Et surtout, pour moi, les espoirs n'ont qu'une des vouées, si on voit, à une destination simple. Hein, qui est celle de jouer en équipe A, tu vois. Tchouaméni est blessé en ce moment, donc il y a l'opportunité. Techniquement, ouais. Hein, ouais. Si on fait le listing un peu. Parce qu'on va pas se mentir, il y a déjà un sacré milieu de terrain. Rabiot. Tchouaméni, Kamavinga, Griezmann, mais il y a toi, une place pour Warren Zaïre. Demain, tu me dis, est-ce que tu veux mettre un Rabiot Titu ou Zaïre Emery Titu? Ah, Courmont, là, comment on dit. Mon choix, il est vite fait. Hein. Ouais. Il va frapper. Est-ce que Trafi aura le but du 1 pour valider son... Eh ben non. Mais pourquoi les gens ils poussent comme ça, Nordi? Oh. Non, mais après, les gars, faut dire la vérité, moi j'aime bien Kamavinga. C'est fort, Kamavinga est pour moi le joueur le plus indispensable. Ah ouais. Et un des plus sous-cotés au milieu de terrain. Sous-coté parce qu'en fait, il y a tellement d'autres choses au milieu de terrain que lui, il est tellement fort ailleurs qu'on se dit, ouais, frérot, voilà, est-ce que tu peux dépanner, s'il te plaît, le temps de... Mais et de ne pas jouer à ton poste où t'es le plus... Il est trop chaud quand il joue au milieu de terrain. Et ça aussi, c'est une forme de sacrifice et de maturité de dingue, hein, tu vois. On les laisse un peu jouer là. Le roi avec le ballon. Non, ça c'est rien ça. Ouais, c'est histoire 2, tu vois. La passe dans l'axe, on cherche Wabi Kazri. C'est arbitre, merci. Ouais, moi j'aime quand il y a des fautes comme ça. Faute sur Carlos Soler qui est. Ça c'est rien. Nos deux lignes sont là encore. C'est vrai. Toutes les lignes. Il reste 4 petites minutes dans cette rencontre. 11ème journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Montpellier pour l'instant qui tourne à la faveur des Parisiens. Très largement 3-0. Une victoire qui ferait du bien aux Parisiens qui pour l'instant serait virtuellement, premier du championnat. Bon, Kiki. Derrière l'OGC Nice. Bon, Kiki, enfin, c'est bon, tu peux sortir de ta grotte là. Justement, l'OGC Nice, pardon. Kiki de Mondi, c'est bon, tu peux là. Et on n'a pas les résultats des autres équipes pour l'instant. Donc, c'est pas en direct, non, c'est demain. Je pense que c'est demain. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est demain. On est vendredi pour l'instant. Il est fatigué, notre Nordi. Ouais, mais il a tout donné sur ce match. Parce qu'en fait, toutes les actions Montpellier-Rennes, elles ont été pauvres. Mais elles sont toutes passées nice par son côté. Nice, c'est dimanche. Hein. Dimanche 20h45, on a Nice-Rennes. Et Monaco-Brest, dimanche également, un match sympathique. Gros Brest match aussi, même, ça joue. Parce que Brest, j'ai vu, niveau classement, ils sont pas mal. Hein. Ouais, ils ont baissé un peu, hein, ils sont plus premiers. Ah ouais, mais ils sont 6ème quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Quand même, après 10 journées. Il y a Reims aussi. Hein. Reims, ouais, tu vois. Le corner qui donnera rien, la tête de Kouyaté qui passera au-dessus. Bah, Nantes aussi. Oh, Nantes, ils sont 7ème. Ah ouais, Nantes. Sans quand t'as joué au PSG ou à Brest, c'est pas mal pour une carrière. Bah, franchement, ouais. Hein. Moi je joue en Ligue 2. Hein. Et alors j'ai fait de la Ligue 1, après j'en ai descendu. T'as joué au PSG à Brest. C'est du niveau professionnel. On est descendu même, avec 9, 29 points, comme le département. Quand même, tu as été professionnel. C'est pas faux. T'avais ce rythme-là tous les jours que. Ouais, mais c'est pas facile. Que les gens seraient prêts à tout pour avoir, tu vois. Je suis pas sûr. Moi je pense que beaucoup sont prêts à tout pour l'avoir, mais ils se rendent compte la vérité une fois qu'ils sont dedans. Voilà, faut vraiment être. Mais tu vois, les gens qui arrêtent, c'est pas pour l'amour du foot. Hein. C'est parce que c'est les déplacements, c'est la surexposition. À chaque fois t'es jugé. C'est le privé qui disparaît. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Et t'es dans la marmite tout comme t'es dans les spots du jour au lendemain. Hein. Parce qu'au final les gens quand ils arrêtent, ils jouent encore. Hein. Ils jouent en vétéran, ils jouent avec leurs potes et tout. Mais ils en ont marre de. Des blessures à répétition, la motivation. Ils retrouvent les raisons pour lesquelles ils aiment, voilà, t'as ils aiment jouer à la base. Exactement ça. T'en as qui ont trop forcé un sur le corps parfois. Toi, tu joues toujours Trippi? Non, moi j'ai arrêté. Oh là là, le geste technique de Skriniar ici. Mais quand je veux dire tu joues, je veux dire pour le plaisir et tout à côté. Oh là là, attends. Fabien Ruiz. Non, on l'air. Cherchait elle était bien, Dembélé. Mais elle était pas mal. Il y avait une prise de balle, un contrôle orienté qui était magnifique. Mais non, même pour le plaisir, même pas. Si, il m'arrive de temps en temps de faire des fives. Il a peur. Il t'esquive. Il a peur de moi. Avec un pote. Faut le forcer, c'est ça. Avec un pote à moi, il m'arrive de faire des. Oh, envoie-le ! Hors jeu. Allez, en profondeur. Non, Mbappé. Il est hors jeu. Ouais, il est pas sûr. Money time, c'est pour toi. Va. C'est pour toi, le money time. Mbappé côté gauche. 4 contre 3. Face à 2-3 joueurs. Oh, heureusement. Ah, je la voyais redescendre. Et ça revient avec Vitinha qui récupère ce ballon. Deuxième chance, faut aller. Mbappé. Va marquer ton but. Vas-y, Dembouz, deuxième poteau peut-être. Non, Mbappé fixe, surface. Oui, oui, passement de jambe, oui, crochet. Mbappé, oui, nouveau passement de jambe. Oui. Dembélé. Allez, amuse-toi. Fabien Ruiz. Non, Fabien, c'est pas pour toi, c'est quoi, ça, Fabien. Contré, Fabien Ruiz. Fabien, c'est pas pour toi, j'ai ça, pas trop aimé comment il est rentré dans le ballon. Ah, Pio. Fabien Ruiz. Ouais, donc je disais, moi je fais des fives de temps en temps ou des fois on joue avec des journalistes. Ouais. Donc, bon, vite fait. Ça va. Mais j'ai arrêté tout. Même le sport, même la muscu et tout, j'ai tout arrêté. Mais non. J'ai tout arrêté. Mais je suis pas avec des youtubeurs, tu vois.
Et tu veux pas. Les gars, faut l'inviter, les gars. Bon, on va l'inviter. On va l'inviter, on va faire un five. Ah, on va organiser ça très bientôt. Hein. Attention, on est des hommes de parole. Hein. Moi, invitez-moi, les gars. Comme ça, on pourra mettre dans notre CV. on a joué avec. Moukele, merci. Oh là là. Ah, Moukele, faute. Merci, Moukele. Monsieur. Ça, j'aime bien ça. Monsieur Buquet, ça, vous rattrapez. Ouais. Tu penses que les arbitres, ils sont souvent comme ça? Comment? Ils ont ce côté un peu. Ah, j'avoue, là, je vais essayer la prochaine. Bah c'est, en fait, c'est beaucoup psychologique. Plus lisse. C'est beaucoup. Moi, ce que je faisais, moi, quand je suis sur le terrain, moi, je parlais que à l'arbitre. Costa Mokos, sur le chat, j'ai l'impression que t'as pas aimé la performance de Dembouz et Colo. Je pense que. À qui tu t'adresses? On va pas être amis. Poto, j'aimerais savoir à qui tu t'adresses, parce qu'ici, on est tous unanimes. Dembouz, là, ce qu'il a fait. Mais ce qu'il fait même depuis le début, même s'il y a un peu de déchets, non, les gars. Mais comme tu l'as dit, les déchets, c'est normal, ça. Deux passes D et une avant-passe D. Donc il est sur les trois buts. Tu demandes à un mec de dribbler sur chaque ballon. Voyez-le ici, il veut le ballon là, il l'attend. Il attend. Lucas. Oui, tu l'as vu. Lucas. Fort, tu vois, tendu. Ah, c'est pas Sergio Ramos. Ouais, oui, il est en train de te dire, faut venir. Oui, voilà. Ah bah oui, regarde Enrique. Voilà, remets-lui là-bas. Voilà, et emmenez le bloc là-bas. Vas-y. Viens coller la ligne. Vas-y. Oui, il l'a vu, regarde. Là, il me rouf, Lucas Hernandez, parce qu'il le fait. En plus, son pied gauche. Bah oui, qu'est-ce que t'attends? Il le fait, vous envoyez une ordi, il est fatigué, les gars. Vous abusez, la vérité. Ah, Vitinha, le bon contrôle de balle ici. On est obligé de repartir par une nouvelle sortie de presse. Oh là là, et Dodo. Donnarumma qui s'amuse. On en parle souvent avec Trippi, mais Donnarumma également joue au pied, une belle progression. Oh, j'aime bien ça, les gars. Énorme. Oh, mais c'est abusé. Oh là là là. Une belle progression. C'est abusé. Hein. Dembélé, il attend le ballon depuis là, les gars. C'est la preuve que depuis qu'il arrive au PSG, il y a une volonté de travailler son pied. Hein. Dembélé, il attend le ballon depuis. Dembélé, laisse-le. Laisse Carlos Soler, toi, écarte-toi. Moi, j'ai envie de dire Dembélé, regarde, c'est la 90e minute, frérot. Il y en a un qui attend un ballon. Cette 90e minute et qui est en 1 contre 1 pour une des premières fois. Oui, c'est oui. Kylian Mbappé non, devant. Qu'est-ce que t'attends? Mbappé devant, allez, lancez-le. Même de haut but, donne-lui. Ah, mais oui. Ah, il est devancé. Non, ici. Ils n'ont pas communiqué. Merci Gonzalo, merci. Allez, c'est parti. On voit le. Ah, Carlos Soler. Hein. Avec Ousmane Dembélé. C'est pour toi. Là, c'est le but d'Mbappé pour le 4-0. Il est là, le 4-0. Le tarif maison peut-être. Dembélé, crochet. Nouveau crochet. Dembélé, le centre deuxième. Oui. Mbappé, la passe. Non, monsieur l'arbitre. Oh, non. Vous pouvez pas faire ça. Non, vous pouvez pas nous annuler ces buts, monsieur l'arbitre. C'était quoi ça? Ça faut laisser ça, monsieur l'arbitre. Quel but parfois faut pas les annuler. Il a fait Dembouz. Oh là là, oui. Tu vois, c'est Dembélé, il a cette petite passe un peu pichenetée, tu vois. Oh punaise. Dembélé, man of the match. Non, man of the match. Nous sommes tous d'accord avec toi, Arsène. Là-dessus, zéro doute. C'est une dinguerie, les stats des passes. Les gars, là, le PSG, on est sur du 800 passes à la fin du match, je pense. Hein. Ouais. Non, Dembélé, là. Tiens peut... Il a combien de dribbles réussis? Non. Combien de dribbles réussis? C'est ça, combien de dribbles réussis? C'est ça, si on est sur une moyenne, on est sur du 9,5 sur 10. Hein. Ah ouais, on est sur du 80% facile. Ah ouais. Oh, mais on va côté. C'est lui. Allez, avec Dembouz qui est dans son jardin. La très belle passe. Pour Fabien Ruiz. Dembélé, encore une fois. Le centre, il est parfait. Ça combine bien. Mais c'est Joga Bonito ce soir, les gars. C'est Joga Bonito, non, les gars. Ils veulent faire croquer le kiki de Bondy. Oui, c'est ça, tu vois. Ils ont tous dit merci pour ton sacrifice aujourd'hui. On veut te faire marquer quand même. On sait que tu mérites ton but. En mode merci soldat. Les gars, je vous ai dit, c'est l'agent de sécu. Tu vois, ils contrôlent les passes. Est-ce qu'ils sont valides? Est-ce que les badges sont valides ou pas? Skriniar contre Wabi Kazri. Il va tenter le petit pont Kazri, non? Non, talonnade. Tunisien. Le centre. Vas-y, rapide. Là, on veut un but de Kiki, là. Il l'attend, Kiki aussi. L'arbitre. Ne sifflez pas, je vous en supplie. On veut ce quatrième but, monsieur l'arbitre. Il y a combien de temps de j'ai pas vu. Je crois qu'il y a eu 3 minutes. On est déjà. Vous êtes 4 alors qu'on est à 93. Ouais. Non. Oh non, monsieur. Aïe. Non, Kiki, l'avait fait la. Non. Ah, il avait fait l'appel. Il attend que ça. Il doit rester 30 secondes. Mais au final, ce qu'on sait, c'est que les gars, mardi, on aura un Kiki qui sera flambant neuf. Parce qu'il n'aura pas fait les efforts de l'année dans ce match, malgré lui. Il a bien été cerné. Hein. C'était ça. Mais au moins, il a fait ce jeu d'attrape. Oh, le gamin, Savanier. Ce mec-là, il sait ce qu'il fait. Hein. Oh, ça va la transversale. Elle est belle. Hein, non, ça, c'est pour le... Nordi, général, les gars, soldat. Lui, il connaît le périph, il connaît le raccourci. Lui, c'est Waze. Il est en moto. Lui, c'est Waze. Il a dit, il est en moto. Il fait de l'interfile et tout.
Fabien Ruiz au milieu de oh terrain. Là, là, Fabiano, bah oui, Cazerie, le petit crochet sur Cazerie. Youkiki, envoie-le. Dembélé en profondeur qui va chercher Mbappé, la passe c'est pas compliquée. Assez appuyé, c'est pas assez appuyé, je pense. L'arbitre qui ne regarde pas son chrono, on continue de jouer dans ce match. Je dans pense cette que l'arbitre journée aussi veut un quatrième but, les gars. Lucy kiffe. Et une nouvelle offensive cette fois-ci pour Montpellier. Non, il y a faute. Ah, faute oui, de Skriniar. Faute facilement évitable, mais faute. Ah, Kiki, c'est pas grave, c'est rien ça. Ce sera certainement le dernier coup franc ouais, de ce match. Enrique qui est carrément parti s'asseoir, les gars. C'est, le match est terminé. Bravo, messieurs. 3-0, juste avant la Ligue des Champions. De quoi se remettre une fois de plus dans une super confiance pour le Paris Saint-Germain. 5 victoires d'affilée pour le PSG maintenant. De quoi aller à Milan avec de belles intentions. De belles intentions. Je suis tout à fait d'accord. Aïe, aïe, aïe. Non, mais là, il y a quand même plein de morale. Hein. Niveau prono, je suis le plus proche. Hein. J'avais dit 3-1. Ouais, mais là, il y a 3-1. Il y a 3-0. Merci, à cause de rien. Si voilà. Là il y a 3-1. 2-0 de base. Hein. Faudrait m'appeler Trafi les bons tuyaux, les gars. Bon, attention. Oh là 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 là. Dégage ce ballon en corner avec Moukielé. On a eu chaud. Dazakari, on était content de. Frère. Comment ? Dazakari, on était content là. Il joue à différence de but. Aïe aïe aïe. Bot. 3-0 là, c'est bon. Il joue à différence de but. 3-0, posez la manette, les gars. Vous connaissez la règle. Nouveau corner pour Montpellier. Peut-être le dernier coup de pied arrêté de ce match. Boum. La tête repoussée. Merci par Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Et fin de ce match, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Et avec la manière, les gars, avec parce quelle que belle victoire. Le football proposé ce soir, les gars, je suis désolé. Mais est-ce qu'on serait pas sur un des meilleurs matchs du PSG en Ligue 1 cette saison? Franchement, je suis d'accord avec toi. On a eu un match complet. Journée qu'on a eu là. Une première mi-temps où on manquait un peu quand même d'occasion, mais deuxième mi-temps, elle est phénoménale. On n'a pas gars, eu d'action du côté de Montpellier. Il y avait tout, les gars. Il y avait du jeu. Un pressing très très haut, des récupérations. Ça jouait super bien. On a eu pas mal d'occasions. Au niveau des tirs également, je pense qu'il y avait beaucoup de tirs. Des joueurs offensifs qui faisaient les efforts défensifs. Ça dribblait, ça marquait, ça combinait. Non, mais tu vois, il manquait rien là, les gars. Tu vois, Arsène, ce qui a fait la différence, c'est que Ousmane, on ne le trouvait pas comme avant là. Ouais. Quand il venait demander le ballon dans cette zone très basse là. Mbappé du coup à la fin. Ouais, parce qu'il y a deux joueurs sur Mbappé, du coup il y a un joueur en moins sur Dembélé. On le trouvait très haut et là en 1 contre 1, bah tu peux rien faire à un moment donné. Peut-être c'est le fait d'avoir mis deux joueurs sur Mbappé. C'est de se dire, venez, on mise tout sur un enfermement de Kylian, mais on libère les autres. C'est la pire tactique à avoir pour moi contre le PSG. Parce que la qualité qu'il y a au niveau des autres joueurs, elle est, ah oui. Elle ouais, est phénoménale. Ils ont sous-estimé. Bah oui, elle est phénoménale. Et encore, seul petit point, seul petit hic que je peux relever. C'est Bradley, les gars. J'aurais voulu un. Ah ouais, un gars qui casse aussi. Ouais, un petit Bradley. Et un innovation petit minutes, pour Dembouz. Ouais, les gars, man of the match. Man of the match. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Il a pas marqué, mais man of the match. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Les buteurs, je vous les rappelle, avec Kanginli, 10ème minute de ce match pour le Coréen. Warren Zaïre-Emery qui double la mise à la 58ème. Et ensuite, Vitinha qui arrive à la 66ème. Il venait à peine de rentrer. Dembélé, auteur de 2 passes D plus une avant-passe D. On peut le dire, man of the match. C'est ça, man of the match, on est d'accord. Pour moi, toutes les actions, elles démarrent de lui. Ah toutes oui, les oui, actions concrètes. Elles sont toutes du côté droit. Même non concrètes démarrent de lui, en fait. Les gars, ce mec-là, il a fait la différence dans ce qu'on lui demandait. Et ça a payé. Hein. Et le PSG au classement qui est maintenant avec 11 matchs joués. 24 points pour les Parisiens qui continuent leur belle série de victoires. 26 buts marqués, 9 encaissés. Pour l'instant, on a 2 points d'avance sur les Niçois qui jouent ce dimanche contre Rennes. Monaco qui est à 4 points derrière, qui va jouer également dimanche. Pour les Monégas, donc on espère maintenant des faux pas de la part des Niçois et des Monégas. Tu sais si le PSG est en forme. À Nice ou à Rennes? Tu sais ou pas le match où est-ce que ça joue? À Nice. À Nice. Dimanche à 20h45 à Nice. Je pense que Rennes remportera ce match quand même. Ouais, Rennes c'est possible, Rennes ouais, qui est l'équipe. Parce qu'ils sont dans une volonté de faut revenir. Ou match nul. Rennes qui a 6 matchs nuls quand même. Je mets Rennes victorieux. 2 victoires, 6 nuls de défaite. Justement, tu vois, quand t'arrives à cette partie de la. Ce moment de la saison, il y a un côté où faut que ça bascule. Soit on reste dans le même truc, soit on descend, soit on confirme qu'on revient, tu vois. Attends, là, ils font que des matchs nuls. Hein. Ouais, bah c'est. Comme tu connais la phrase qui dit que toutes les séries ont une fin. C'est vrai. Une série est faite pour la être fin sera terminée. Exactement. Les amis, très belle victoire du Paris Saint-Germain juste avant de se lancer pour cette Ligue des Champions, ce 4ème match de ce groupe de la mort, hein, clairement contre l'AC Milan, déplacement à San Siro pour nos Parisiens ce mardi. Trippi, merci. Trafi, merci d'avoir merci, été merci présent. Merci pour l'invitation, les gars. Ça m'a fait super plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve encore? Dis-nous où est-ce qu'on te retrouve. Qu'est-ce qu'on a comme plus j'ai fait quelque chose de très très simple. C'est que vous tapez I am Trafi sur n'importe quelle plateforme. Je suis là. Je stream beaucoup en ce moment, principalement. Sur Twitch, c'est quoi les horaires? Les horaires, c'est du 20h, 22h, 23h.
Et particularité, c'est que maintenant que j'ai mon club de football, okay. Moi, je vais streamer beaucoup mes matchs de football les dimanches. Il y a, de toute façon, toutes les actualités sont sur IM Trafic. Donc, voilà. Ok, trop cool. Et sinon, les jours de stream, c'est presque tous les jours? Ouais, quasiment tous les jours, les gars. Je suis ultra productif tous les jours, sauf quand il y a les matchs du PSG. Voilà, vous pouvez retrouver Trafic les matchs quand même. Sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller le suivre et donner de la force à notre Parisien avec nous. Trippi, encore merci. Trafic, encore merci. Merci Paris plaisir, également pour cette prestation. C'était vraiment magnifique. Vraiment, maintenant, on espère régalé, hein. La même chose en Ligue des Champions contre Milan à Milan. Vas-y. Merci à tous d'avoir été présents sur le live Twitch et le live YouTube. Merci à la régie. Merci les gars, merci, merci. Prenez soin de vous. Allez les gars. Paris et merci à très vite. Merci Dembouz. Ciao, ciao. Merci Dembélé.